잠깐 같이 기도하겠습니다. Nous allons prier ensemble. 하나님 감사합니다. Merci Dieu. 하나님의 말씀을 이번 한 주간 배울 수 있도록 허락하여 주신 것을 감사합니다. Merci de nous avoir accordé cette semaine pour apprendre ta parole. 말씀 듣는 이번 한 주간 우리의 마음 문을 열어 주시고 하나님 말씀을 깨닫도록 도와주시옵소서. Aide-nous pendant cette semaine en écoutant ta parole à ouvrir notre cœur et aussi à comprendre ta parole. 창조주 하나님을 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous aussi à connaître le Dieu, le Créateur. 그 전능하신 하나님이 인류 역사를 주관하시는 능력자이심을 우리가 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous aussi à comprendre que tu es le Dieu qui dirige, qui gouverne l'histoire de l'humanité. 한 사람도 하나님 앞에 이뤄지지 않도록 하나님의 인도하심을 간절히 바랍니다. Et nous souhaitons que aucun de nous ne se perde devant toi, Seigneur. 부족한 강사의 입술에도 함께하여 주셔서 주님의 진리의 말씀만 잘 증거할 수 있도록 도와주시옵소서. So aussi avec le prédicateur qui est aussi un être faible de guider sa bouche pour qu'il puisse prêcher uniquement la parole de Dieu. 모든 것을 전능하신 하나님의 손에 의탁합니다. Et nous remettons tout entre les mains de Dieu Tout-Puissant. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. 아멘. 아멘. 네, 성경 말씀 찾겠습니다. Nous allons voir dans la Bible. 신명기 18장 21절로 22절입니다. Deutéronome chapitre 18 versets 21 à 22. 신명기 18장 21절 22절입니다. Deutéronome chapitre 18 versets 21 à 22. 찾으셨으면 함께 읽으시도록 하겠습니다. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. 어제 우리가 하나님의 말씀인 이 성경, 성경을 배우는 것이 정말 중요하다고 생각해 보았습니다. Hier, nous avons réfléchi à quel point c'était important justement d'apprendre la parole de Dieu. 네, 말씀이 참으로 중요합니다. La parole est vraiment très importante. 그런데 이 말씀이 하나님의 말씀인지 우리가 어떻게 합니까? 이렇게 물어보실 수가 있어요. Après, on peut très bien se demander, mais comment connaîtrons-nous si c'est vraiment la parole de Dieu ou non? 신명기 18장 22절에서 그 답을 주십니다. Et c'est dans Deutéronome chapitre 18 verset 22 que nous donne la réponse Dieu. 하나님의 말씀이라면 반드시 증거가 있다. Que si c'est vraiment la parole de Dieu, bah dans ce cas, il y aura une preuve. 하나님께서 예언하신 내용이라면 반드시 성취되는 게 있다. Si c'est une prophétie qu'aura vraiment dit Dieu, bah dans ce cas, cette prophétie sera réalisée. 만일 증거도 없고 성취함도 없다면 이것은 하나님의 말씀하신 게 아니다. Si il n'y a point de preuve et si il n'y a point de prophétie qui soit réalisée, dans ce cas, ce n'est point Dieu qui l'aura dite. 그러니까 너는 두려워하지 말라 이렇게 말씀하셨죠. Donc il nous dit à la fin, n'aie pas peur de lui. 자 그런데 이거를 뒤집어 보면 그것도 맞는 말이에요. Après, si on inverse un peu le sens, c'est aussi juste. 자 하나님의 말씀을 전해드렸습니다. Par exemple, on vous a prêché la parole de Dieu. 자 그런데 증거가 있는 거예요. Et il y a des preuves. 이 성경에 기록된 예언대로 우리 시대에 성취되는 것도 있는 겁니다. Et comme la prophétie a été écrite dans la Bible, de notre époque justement, on voit ces prophéties se réaliser. 자, 만약 증거도 있고 성취함도 있으면 이건 하나님의 하신 말씀이 맞다라는 거예요. Donc s'il y a des preuves et si on voit que les prophéties se sont vraiment réalisées, bah, dans ce cas, c'est vraiment la parole de Dieu. 예, 그러면 우리는 두려워해야 됩니다. Bah, dans ce cas, il faut qu'on ait peur. 사람을 두려워하라는 뜻이 아니고 하나님을 두려워하고 하나님의 말씀을 두려워해야 됩니다.
Cela ne veut pas dire d'avoir peur de la personne ou autre, mais d'avoir peur de Dieu, d'avoir peur aussi de sa parole. 자, 그래서 어제 에덴 동산에 대해서 살펴봤어요. Donc hier nous avons vu sur le jardin d'Eden. 예, 지난 과거에 대해서 증거들이 있는지 살펴보기 시작했습니다. Donc nous avons commencé à voir les preuves s'il existe vraiment des preuves concernant les choses qui sont passées. 오늘은 몇 가지를 더 살펴보도록 하겠습니다. Et aujourd'hui donc nous allons vérifier quelques preuves en plus. 또한 창조주 하나님이시라면 하나님께서 만드신 만물 속에 창조하셨다라는 증거를 넣어 두셨을 겁니다. Donc si c'est vraiment Dieu qui les a créés, si Dieu est vraiment le créateur, bah dans ce cas, dans ses créations, il aurait mis certainement des preuves comme quoi c'est lui qui l'a faite. 또 그리고 이 성경은요, 약 3분의 1이 예언에 해당됩니다. Et il faut savoir aussi que un tiers de la Bible sont composés justement de prophéties. 그렇다면 이 예언대로 과연 역사 속에 성취되었는지 우리가 살펴봐야 돼요. Dans ce cas, maintenant, il faut qu'on regarde si toutes ces prophéties se sont vraiment réalisées au cours de l'histoire de l'humanité. 우리 시대에 대한 지금 우리 시대에 대한 예언도 정말 오래된 성경 속에 예언돼 있습니다. Même des prophéties qui nous concernent de notre génération, justement de notre époque, se sont écrit dans la Bible qui est si vieux. 예, 놀라지 마십시오. 우리 다음 세대도 우리 미래 세대도 성경에 미리 기록돼 있어요. Et ne soyez pas étonnés, vous verrez aussi que la prochaine génération sont déjà écrits justement dans la Bible. 자, 과연 증거가 있고 과연 성취함이 있는지 우리는 성경과 역사를 잘 살펴보면 Donc si on vérifie bien la Bible, si on vérifie bien aussi l'histoire de l'humanité, on peut voir si la Bible est vraie ou non. 자, 그러면 어제 이어서 예, 지난 과거의 일의 그 역사적인 증거를 좀 살펴보도록 하겠습니다. Donc à la suite d'hier, on va continuer à vérifier dans l'histoire si la Bible est vraie. 자, 어제 에덴 동산에 대해서 살펴봤어요. Donc hier, nous avons vu sur le jardin d'Eden. 창세기 2장에 나오는 내용입니다. C'est dans Genèse chapitre 2. 자, 이 에덴 동산이 실제했다라는 증거들을 어제 잠깐 살펴봤죠. Et nous avons vu hier qu'il y avait des preuves vraiment qui montraient que le jardin d'Eden a existé. 네, 에덴 동산에서 아담과 하와가 하나님 앞에 범죄하고 쫓겨난 이야기가 기록돼 있습니다. Mais on voit par la suite du jardin d'Eden que Adam et Ève justement ils ont commis un péché contre Dieu et ils ont été chassés de ce jardin. 자, 그에 대한 심판으로 예, 이 에덴 동산이 지하에 내려갔습니다. Et par rapport à ce jugement justement c'est le jardin d'Eden qui était enfoui sous la terre. 이 그리고 이 아담과 하와 그 이제 그 자손들 우리 이제 많이 번성하기 시작했습니다. Et donc Adam et Eve a commencé à féconder justement ils ont eu des descendants beaucoup d'enfants. 온 세상에 사람들이 가득 찼어요. Et maintenant on est arrivé à un moment où l'homme a rempli le monde. 그런데 창세기 6장에서는 사람이 가득 차니까 죄악도 가득 찼다라고 말씀하십니다. Mais dans Genèse chapitre 6 on voit aussi que l'homme a commencé à peupler dans le territoire et aussi les péchés ont commencé à remplir le monde. 예, 죄악이 가득 차니까 하나님께서 심판하실 것을 예, 작정하셨어요. Comme les péchés ont rempli le monde, Dieu avait décidé qu'il allait juger ce monde. 자, 그 내용을 성경으로 잠시 정리를 해보죠. Et c'est de ça qu'on va essayer de récapituler à travers la Bible. 이 노아 시대 때인데요. 대홍수에 관련된 그 일지를 한번 살펴보죠. Donc c'est concernant le déluge de Noé. On va essayer de voir chronologiquement ce qui s'est passé. 예. 여기 5절을 보시면요. Ici dans le verset 5. 예. 사람이 가득 차니까 세상에 죄악이 관영했습니다. Il est écrit que comme la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 예, 7절에 심판을 계획하십니다. Donc, dans le verset 7, donc Dieu se décide de juger cette terre par l'extermination. 9절에
노아는 하나님 앞에 의인이었고 당시 완전한 자라고 말씀하십니다. Et dans le verset 9, on voit Noé qui apparaît justement qui était un homme juste et intègre dans son temps et qui marchait avec Dieu. 하나님께서 심판을 계획하셨죠. Donc Dieu avait décidé d'exterminer la terre. 네, 노아는 의인이었습니다. Mais Noé était un juste. 하나님께서 노아를 통해서 다시 인류를 시작하실 계획을 생각하신 겁니다. Donc Dieu avait planifié qu'il allait recommencer justement l'humanité à travers Noé. 하나님은 악을 심판하시고 의인을 건져 주십니다. Et Dieu est celui qui juge le mal et qui sauve les justes. 자, 그래서 노아와 그의 가족들을 구원하실 계획을 노아에게 알려 주셔요. Donc Dieu donne son plan justement du salut de Noé et de sa famille, donc à Noé. 자, 그래서 방주를 만들도록 지시하십니다. Donc il lui ordonne justement de construire une arche. 자, 14절에 잣나무로 배를 만들라고 하시죠. Dans le verset 14, on voit qu'il lui demande de créer une arche avec des boîtes de gopher. 자, 칸들을 막고 아스팔트로 안팎으로 칠하라고 합니다. Et il lui dit aussi de disposer cette arche en cellules et de l'enduire en poids. 자, 방주는 길이가 300 규빗입니다. Et la longueur justement de l'arche fait 300 coudées. 자, 그리고 넓이가 50. 50 coudées en largeur. 배의 높이가 30이에요. Et 30 coudées en hauteur. 창도 위에서부터 한 규빗 밑에 내고요. Et qu'il y aura des fenêtres. 자, 문은 옆에 달려 있습니다. Et la porte sera sur le côté de l'arche. 그리고 배는 상중하 3층 구조로 되어 있습니다. Et que l'arche sera fait en trois étages à l'intérieur. 방주에 태울 사람과 동물들도 알려 주셔요. Et il lui dit aussi qui montera dans l'arche et quels animaux vont monter dans l'arche. 자, 18절에 노아와 그의 가족들 8명이 탑니다. On voit dans le verset 18 que Noé et sa famille, donc 8 personnes au total, sont entrées. 자, 19절을 잘 보셔요. Et regardez aussi le verset 19. 자, 모든 생물을 암소 한 쌍씩 태우라고 명하십니다. Il lui ordonne aussi de faire monter de tout ce qui vit toute chair. Tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce. 자, 그래서 20절에 각기 종류대로 다 탔습니다. Et on voit dans le verset 20 que chaque espèce, par deux, donc deux paires de chaque espèce sont montées dans l'arche. 창세기 6장 22절에 보면 노아가 하나님이 명령하신 대로 다 준행했더라 말씀하셔요. Et dans le chapitre 6, verset 22, on voit que Noé a exécuté tout ce qui a ordonné Dieu. 자, 이게 준비가 다 되니까 이제 하나님께서 홍수를 시작하십니다. Et tout a été prêt, et de là justement commence le plan de Dieu de l'extermination de la terre. 10절을 보시면 7일 후에 홍수가 났죠. Et dans le verset 10, on voit 7 jours après, les eaux du déluge furent tombées sur la terre. 다 태워놓고도 7일 동안 문을 열어놓으셨어요. En fait, il les a fait monter dans l'arche, et pendant 7 jours après, il a laissé la porte ouverte. 누구든지 타라는 뜻이죠. Cela voulait dire bah, quiconque veut monter dans l'arche, bah, il pouvait monter. 기회가 7일이나 더 주어졌습니다. Parce qu'il leur a été donné 7 jours. 근데 아무도 안 탔어요. Mais personne n'est monté dans l'arche. 11절에 이제 큰 기품의 샘이 터지고 하늘의 창이 열렸습니다. Dans le verset 11, on voit que toutes les sources de grands abîmes jaillirent et les éclures des eaux des cieux, pardon, s'ouvrirent. 12절에 40일 동안 비가 땅에 쏟아진 겁니다. Et dans le verset 12, on voit que la pluie tomba sur la terre 40 jours. 자, 그래서 물이 온 천하를 다 덮어 버렸어요. Et donc les eaux ont couvert toute la terre. 자, 16절에 하나님께서 그 방주 문을 닫으셨습니다. Et dans le verset 16, on voit Dieu qui a fermé la porte de l'arche. 홍수가 40일 동안 있었죠? Donc il y a eu 40 jours de déluge. 네, 물이 18절에 물이 점점 더 많아졌습니다. Et dans le 18, on voit que les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. 자, 그래서 땅을 다 덮어버리고 19절에 천하의 높은 산도 다 덮어버렸어요. Donc ça a couvert toute la terre et dans le verset 19, on voit que les grossirent de plus en plus et toutes les autres montagnes furent couvertes.
자, 그래서 코로 숨 쉬는 동물들, 코로 숨 쉬는 것들은 다 죽었습니다. Donc ceux qui respiraient par les narines sont tous morts. 무려 150일 동안 물이 땅을 덮고 있었어요. Parce que c'était pendant plus de presque 150 jours que la terre était couverte d'eau. 자, 이제 하나님께서 심판을 끝내시고 이제 물을 거두어 가십니다. Et donc Dieu a terminé son destruction de la terre et il commence à retirer les eaux. 자, 1절에 보면 바람을 불게 하셔서 물을 빼셨어요. On voit ici chapitre 8 verset 1 que il a fait souffler les vents pour évacuer les eaux. 2절에 비가 그쳤고요. Et dans le verset 2, on voit que les pluies sont arrêtées. 3절에 물이 점점 빠져나가기 시작합니다. Et on voit dans le verset 3 que les eaux se réitéraient, se sentiraient. 4절은 중요합니다. Et le verset 4 est important. 읽어주십시오. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. 자, 물이 빠지면서 방주는 아라랏산 꼭대기에 머물게 됩니다. Donc les eaux en se retirant, l'arche en fait s'est arrêtée dans les monts Ararat. 이 내용을 그림으로 한번 살펴보죠. On va essayer de voir en illustration ce qui s'est passé. 자, 노아 시대에 세상을 심판하는 홍수 사건이 있었어요. Donc il y a eu le déluge à l'époque de Noé, donc c'était une déluge pour la destruction de la terre. 자, 이제 드디어 방주 문이 닫혔습니다. Donc la porte de l'arche était fermée. 하나님께서 닫으신 거예요. C'est Dieu qui l'a fermée. 그 전에 7일간 열려 있었다라는 걸 기억하시기 바랍니다. Mais il faut s'en souvenir que avant qu'il ferme cette porte, pendant 7 jours, cette porte était restée ouverte. 하나님은 은혜로우신 분이에요. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. 심판은 있지만 그래도 은혜 구원받을 수 있는 은혜를 열어 두셔요. Il y a des jugements, mais il accorde justement la grâce d'être sauvé. 사람들이 왜 심판을 받습니까? Pourquoi les gens alors ils sont jugés alors? 하나님의 사랑을 거절하기 때문에 그래요. C'est parce qu'ils refusent continuellement l'amour de Dieu. 7일 열려 있는 7일 동안 누구라도 탔다면 다 구원받아요. Pendant ces 7 jours que la porte était restée ouverte, si quiconque serait rentré dans l'arche, ils auraient été sauvés. 근데 놀랍게도 사람들은 하나님의 사랑을 비웃습니다. Mais ce qui est étonnant, c'est que les hommes justement renient l'amour de Dieu. Ils en rient. 야, 드디어 노아 영감 미쳤다. Il se dit, mais ce vieux Noé, il est devenu fou. 비웃습니다. Donc il se moquait de lui. 자, 그런데 갑자기 빗방울이 떨어져요. Mais d'un coup, la pluie commençait à tomber. 예, 점점 세게 내립니다. Ça commençait à tomber de plus en plus fort. 사람들 표정이 심상치 않아요. Et là, les visages des personnes, justement, on voit qu'ils sont très sérieux. 정말 하나님이 계시고 심판이 있는 건가? On se dit, il pourrait très bien se dire à ce moment-là, mais ça veut dire que Dieu existe vraiment et qu'il y aura la destruction. 아, 뭔가 잘못됐다. 이제 알게 됐죠. Là, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 예, 방주로 달려갑니다. Donc ils se précipitent vers l'arche. 자, 그런데요. Mais 방주 문은 이미 닫혔어요. La porte était déjà fermée. 방법이 없는 겁니다. Il n'y a plus de solution là. 이 방주 문은 하나님이 닫으셨어요. En plus, la porte était fermée par Dieu. 노아가 열고 싶어도 못 열어요. Même si Noé il veut ouvrir la porte pour les autres, il peut pas. 그러면 기회가 있을 때 방주에 탔어야죠. C'est quand il y avait l'occasion, il fallait monter dans l'arche. 우리도요 지금은 구원받을 수 있는 그런 기회를 가지고 있습니다. Et nous aussi maintenant nous avons en nous l'occasion justement de recevoir le salut. 기회가 있을 때 예수 그리스도를 믿고 구원을 받아야 돼요. C'est quand on a l'occasion, quand on a la chance qu'il faut croire en Jésus-Christ et qu'il faut être sauvé. 하나님의 사랑을 거절하면 안 됩니다. Il ne faut pas refuser ou renier l'amour de Dieu. 예, 사람들이 아무리 방주를 두드려봐도 문을 못 열어요. Même s'il toquait à la porte de l'arche, il ne pouvait ouvrir la porte. 자, 온 천하를 다 덮어버렸습니다. Et ça, les eaux justement ont couvert toute la surface de la terre. 사람들이 다 죽었습니다. Et tous les êtres vivants sur la terre sont morts. 예, 이 성경에는 성경 창세기에 이 전 지구적인 물 심판이 기록돼 있어요. Donc dans la Bible, donc est décrit justement ce déluge qui était l'origine de la destruction de la terre. 예, 과연 이게 사실이냐 이 말이에요. Mais maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que c'est vraiment vrai? 온 세상을 물로 덮어버린 심판 사건, 신화처럼 보이잖아요.
Ce déluge qui a vraiment recouvert toute la surface de la terre, on dirait vraiment quelque chose de comme un mythe. 그런데 하나님은 성경에 기록해 두셨습니다. Mais Dieu l'a écrit dans la Bible. 내 생각에는 아닌 것 같아라고 말씀하신 분들이 계속 있어요. Et il y a continuellement des personnes qui se disent, mais moi, à mon avis, c'est pas vrai, c'est faux. 생각은 자유라고 말씀드렸죠. Mais je vous ai dit que vos pensées, la pensée est libre. 네, 맞습니다. Oui, c'est vrai. 자, 그런데 내 생각대로 항상 되는 게 아니잖아요. Mais il faut savoir aussi que on n'arrive pas à faire les choses selon ma pensée. 네. 어떤 일에 진위 여부를 가릴 때 내 생각이 중요한 게 아니에요. Quand on cherche qu'est-ce qui est juste par rapport à quelque chose, justement, ce n'est pas toujours ma pensée qui est juste. 중요한 건 증거가 있냐라는 거죠. Mais là, ce qui est important, c'est ce qu'il y a des preuves. 하나님께서도 이 말씀을 기록하시고 사실이라고 말씀하시려면 증거를 보이셔야 돼요. Bah Dieu aussi en fait, s'il les a écrits dans la Bible et s'il veut que prouver justement que c'est vrai ou non, il faut qu'il laisse des preuves. 하나님은 증거를 충분히 남겨두셨습니다. Et Dieu a laissé suffisamment de preuves. 예. 근데 우리가 몇 가지 의문점이 좀 생겨요. Mais on se pose toujours des questions. 예, 이게 이 전 세계적인 물심판이니까 이 방주가 과연 안전한가 의문점이 들죠. Premièrement, donc c'était un déluge vraiment à l'échelle mondiale. Donc, est-ce que cette arche était vraiment sécurisée? 그리고 세상에 동물이 얼마나 많은데 이 배에다가 다 태울 수 있었냐 이 말이죠. Et le nombre d'espèces d'animal dans ce monde est vraiment incalculable. Est-ce que tous ces animaux pouvaient vraiment rentrer dans l'arche? 네, 중요한 건 내 생각이 아니라 증거라는 겁니다. Mais ce qui est, je vous ai dit, ce qui est important, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas ma propre pensée, mais c'est les preuves. 자, 노아의 방주는 대홍수를 견딜 수 있었을까? Donc, est-ce que l'arche de Noé pouvait-il résister à cette grande déluge? 과학적으로 검증해 봐야죠. Donc maintenant, il faut vérifier scientifiquement. 자, 이 성경에 기록된 대로 방주를 다시 구성해 보면요, 길이가 140m에 달해요. Donc si on représente l'échelle selon ce qui est décrit dans la Bible, donc on voit en longueur c'est 138 mètres. 자, 그리고 너비가 23m. En largeur 28 mètres. 자, 높이가 약 14m에 해당이 됩니다. Et en hauteur 14 mètres. 자, 요즘으로 치면 1만 5천 톤급의 그 큰 배와 네, 비슷한 겁니다. De nos jours, c'est comparable à un grand bateau de 15 000 tonnes. 자, 그리고 축구장보다 이 크기가 훨씬 더 커요. Et vous voyez que la longueur est plus grande qu'un terrain de foot. 자, 그리고 이 배를 만드는 곳에서 이게 노아의 방주가 과연 안전한지 실험을 해봤습니다. Et en fait, dans les laboratoires ou dans les boîtes de recherche justement qui développaient des bateaux, ils ont fait des essais, des tests pour voir si l'arche de Noé était vraiment sécurisée. 자, 한국에서 이 실험을 진행을 했는데요. Vérifier si c'est fiable. C'était en Corée qu'ils ont vérifié. 여러분도 아시다시피 예, 한국이 배를 정말 잘 만듭니다. Donc, comme vous savez, la Corée du Sud en fait fabrique vraiment de bons bateaux. 특별히 큰 대형선 있죠. 대형 배 같은 경우에 한국이 정말 잘 만들어요. Surtout des grands bateaux de containers, c'est la Corée qui sont vraiment le numéro 1. 예, 전 세계적으로 한국이 지금 수주율이 예, 1위라는 거 아시죠? Et c'est vraiment la Corée du Sud justement qui détient la majorité de la part des marchés de ce genre de bateaux. 이 큰 배는요, 이 안정성이 정말 중요합니다. En fait, plus le bateau est grand, plus la fiabilité est importante. 자, 그래서 이 한국에서 이 실험을 해봤습니다. Donc en Corée, justement, ils ont fait des essais. 이 결과를 발표했어요. Et donc ils ont dit les résultats. 자, 노아의 방주는 완벽한 선박이다. Ils ont dit que l'arche de Noé est un navire qui est parfait. 그리고 높이 40m 파도에도 안전하다 이 말이에요. Et ils ont dit aussi que même face à des vagues de 40 mètres d'auteur, il était fiable. 현재까지 사람에게 관측된 파도의 가장 높은 높이는 30m입니다. Jusqu'à présent, en fait, la plus haute vague qu'on a pu observer, c'était 30 mètres d'auteur. 예, 노아의 방주는 정말 안전한 선박이에요. Donc l'arche de Noé était vraiment un navire fiable. 이게 왜 안전하냐면 이게 뒤집어지지 않아요. Pourquoi c'est fiable? Parce qu'en fait, il ne se retourne jamais.
기울면요 다시 원래대로 복귀하려는 복원성이 뛰어납니다. En fait, la force de revenir justement à l'état normal est très très forte sur ce, dans ce navire. 길이와 폭의 비율이 1대 6이에요. Et on voit justement le rapport de longueur et de largeur est de 6 sur 1. 그래서 40m 파도에도 끄떡없는 겁니다. Donc c'est pour ça que face à 43 mètres de hauteur de vague, justement, ça ne pose pas de problème. 자 그리고 온 세상의 그 동물들을 다 태우는데 다 태워도 방주의 3분의 1밖에 못 채운다라고 계산을 했어요. Et ils ont dit aussi que même si ils remplissaient toutes les espèces d'animaux justement dans cette arche, ça ne remplissait que un tiers de navire. 자, 방주의 수용 능력을 이렇게 계산해 봤습니다. En fait, c'est comme ça qu'on a fait le calcul. 현재 지구상의 포유류가 3000 종류가 됩니다. De nos jours, il y a à peu près 3000 espèces de mammifères. 네, 파충류는 5500 종이고요. There's plus de 5000 espèces de reptiles. 양서류는 1100 종입니다. Et aussi plus de 1000 espèces d'amphibiens. 자, 조류는 8000 종이에요. Et plus de 8000 espèces d'oiseaux. 다 더하면 17600 종이죠. Et on voit que si on additionne tout, bon, c'est à peu près c'est plus de 17000 espèces. 암소 한 마리니까 곱하기 2를 하면 돼요. Donc c'est une paire de chaque espèce, donc on va faire multiplier par 2. 그럼 총 노아의 방주에 탑승한 이 동물들의 숫자는 35200 마리예요. Donc toutes les le nombre d'animaux qui sont montés dans l'arche est de 35200 animaux. 자, 그런데 코끼리는 덩치가 크죠. Mais après par exemple l'éléphant, lui il prend beaucoup de place. 예. 좀 조그만한 새는 정말 작잖아요. Mais les petits oiseaux, eux, par exemple les moineaux, ils sont tout petits. 자, 그래서 이거를 좀 공통된 체적으로 이렇게 양으로 양을 기준으로 부피를 좀 이렇게 나눠 봤습니다. Donc ils ont essayé de diviser en proportion justement de tous ces animaux. 그래서 전체 체적은 양 125,280 마리예요. Et le nombre total de charges est de 125,280 agneaux par exemple. 예, 요거는요. 이 방주의 3분의 1도 못 채우는 겁니다. Mais tous ces animaux en fait ne remplissent que un tiers de l'arche. 예, 노아의 방주는 충분히 크고 충분히 안전한 배였습니다. Donc l'arche de Noé était suffisamment grand et suffisamment fiable. 자, 그리고 이 지구를 덮는 심판이었다면 증거가 정말 어마어마하게 많이 있어야 되잖아요. Et si c'était un déluge vraiment qui recouvrait le monde entier, bah dans ce cas, il faut qu'il y ait des preuves incalculables. 네, 정말 많습니다. Mais il faut savoir c'est vrai qu'il y a beaucoup de preuves. 네, 높은 산 위에 증거들이 특별히 많습니다. Et surtout dans les autres montagnes, on voit énormément de preuves. 예, 지구 그 내륙에 그 소금 호수 있죠. 그것도 증거가 되는 거예요. 소금 호수. Même, par exemple, les lacs du sel qui sont présents sur les surfaces de la Terre, en fait, sont une preuve de déluge. 네, 그리고 여러분 석탄 아시죠, 석탄. Et vous connaissez aussi les charbons. 이 석탄 또한 이 지구적인 전 지구적인 심판이 있었다는 증거가 됩니다. Et le charbon aussi, c'est une preuve comme quoi il y a eu vraiment le déluge dans le monde entier. 시간 관계상 다른 것들은 이렇게 지역 교회에서 이렇게 한번 이렇게 알아보시고요. 오늘은 산 정상에 남아 있는 홍수의 증거들만 좀 살펴보겠습니다. Par question de temps, aujourd'hui, on va juste vérifier les preuves qui sont sur les montagnes. Mais après, là où vous êtes, vous pouvez très bien demander. Avoir d'autres preuves. 예, 지구 전체가 물에 잠긴 증거가 있는가? Donc, est-ce qu'il y a des preuves qui prouvent que la terre entière était recouverte d'eau? 예, 특별히 온 높은 산 위에 그 증거들이 정말 많아요. Mais c'est particulièrement dans les hautes montagnes du monde entier justement qu'on trouve ces preuves. 에베레스트 산부터 가보죠. On va aller voir d'abord au mont Everest. 자,
에베레스트 산 정상에는 특별한 지층이 있습니다. Et il y a une bande de jeunes gens au sommet de l'Everest qui est assez particulière. 옐로 밴드라고 해요. On l'appelle une bande de jaune. 예, 샌드위치처럼 생겼다 해서 히말라야의 샌드위치다. Et ça ressemble à un sandwich, du coup on l'appelle le sandwich de la chaîne de l'Himalaya. 자, 바로 이겁니다. C'est ça. 여기 이런 지층 보이시죠? Vous voyez les lignes, les bandes. 자, 기억하시기 바랍니다. 이 지층은요, 물속에서만 형성이 되는 지층이에요. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce genre de bandes en fait ne sont formées que sous l'eau. 높은 산에 이런 지층이 있다라는 것은 이 산이 한때는 물속에 들어가 있었다는 뜻입니다. Mais alors que on retrouve justement ce genre de choses justement dans les autres montagnes, cela prouve que ces montagnes en fait ils étaient recouverts d'eau à un moment. 자, 그걸 증거할 수 있냐 이 말이에요. Mais maintenant, est-ce qu'on peut montrer des preuves? 예, 영국 등반대가 증명을 해줬어요. Donc c'est une équipe d'alpinistes britanniques qui ont montré des preuves. 예, 올라가서 봤더니 물 속에서만 있어야 될 화석들이 가득한 겁니다. Ils sont montés justement dans ces autres montagnes, mais ils ont découvert dans ces autres montagnes justement des fossiles, des espèces marines. 예, 조개 화석, 암모나이트 이런 것들이 많은 거예요. Des coquillages, des ammonites. 자, 그래서 한때는 에베레스트 산 정말 높은데 가장 높은데 물 속에 들어가 있었습니다. Donc le mont Everest, qui est vraiment qui est même le plus élevé du monde, était sous l'eau. 자, 남미 안데스 산맥으로도 가보죠. On va aller aussi à la cordillère des Andes. 자, 안데스 산맥에 조개 화석이 정말 많습니다. Et la cordillère des Andes, on retrouve vraiment beaucoup de fossiles de crustacés. 왜 이렇게 높은 정상에 조개 화석이 이렇게 많냐 이 말이에요. Mais alors que ce sont des monts qui sont assez élevés, mais pourquoi on retrouve des fossiles des crustacés sur ces montagnes? 자, 한두 개 발견된 게 아닙니다. En plus, ce n'est pas un ou deux. 그리고 이 조개 화석이요, 굉장히 큽니다. Et en plus, ces crustacés, ils sont énormes. 이건 굴인데 이 사람 완전 들어 누웠잖아요. Là, vous voyez l'homme qui est allongé sur une huître. 자, 그리고요. 여기 이 그림에서 잘 보셔야 될 게 뭐냐면 이 조개들이 전부 다 이 화석들이 전부 다 입을 다물고 있어요. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, là vous voyez les fossiles des crustacés, cette huître, etc. Mais vous voyez qu'ils ont fermé la bouche. 입을 열고 있는 건 하나도 없습니다. Il n'y a aucun qui ont ouvert la bouche. 이게 뭐가 중요합니까? Mais après on peut se dire, mais qu'est-ce qui est si important, si qu'il ouvre la bouche ou non? 이거 정말 중요한 거예요. C'est vraiment très important. 여러분이 조개를요 불에 익혀 보면 어떻습니까? Lorsque vous grillez des crustacés, qu'est-ce qui se passe? 조개가 죽을 때요 입을 쩍 하고 벌어요. Lorsque le crustacé est sur le feu, justement quand il meurt, il ouvre la bouche. 그러니까 모든 화석이 다 입을 다물고 있다라는 것은 무슨 뜻이에요? Mais que c'est tous ces crustacés ont la bouche fermée. Alors qu'est-ce que cela signifie en fait? 조개들이 살아 있을 때 한꺼번에 덮어버렸다 이 말이에요. C'est que c'est lorsqu'ils étaient encore vivants qu'ils ont été recouverts. 예, 조개들이 살아 있을 때 예, 갑작스럽게 덮어버린 겁니다. C'est lorsqu'ils étaient encore en vie qu'ils ont été fossilisés. 예, 노아의 홍수 때는 이렇게 그 40일 동안 비가 내리면 단순히 물이 이렇게 차 올라가지고 그냥 이렇게 다 죽은 게 아니에요. En fait, pendant le déluge de Noé, ce n'était pas que l'eau se recouvrait de petit à petit et qu'ils sont morts petit à petit. 네, 물 속에서 막 이렇게 다 덮어버렸겠죠. 이렇게 회오리치고요. C'est que sous l'eau, il devait avoir vraiment beaucoup de mouvement. Ça devait être vraiment très mouvementé. 네, 여러분 화석은 그럴 때 생기는 겁니다. Et justement, c'est dans ces moments-là que les choses en fait se fossilisent. 자, 죽은 상태에서 공기를 만나 부패가 시작되면은 그 화석 안 됩니다. En fait, lorsqu'un être vivant meurt dans l'air et s'il rencontre l'air justement, bah, il ne pourra pas être fossilisé. 예, 조개건 살아있는 동물이 그러니까 동물이건 상관없이 살아있을 때 흙으로 갑자기 덮어야 그게 화석이 되는 거예요. Que ce soit les crustacés ou même les humains, pour que ça devienne fossilisé justement, il faut qu'il soit recouvert de sable en un instant. 예, 안데스 산맥에는 고래 무덤도 있습니다. Et on voit aussi le tombeau d'une baleine dans les Andes. 이 안데스 이렇게 높은 지역에 이 고래들이 왜 화석이 돼서 있냐 이 말이에요. Alors pourquoi on retrouve des fossiles des baleines dans les monts de
cordillère des Andes alors qu'ils sont très élevés aussi. 예, 도시락 싸들고 소풍 간 건 아니잖아요. Les baleines ne sont pas allées se pique-niquer là-bas. 예. 이 안데스 산맥도 물로 한번 덮었습니다. Donc cette cordillère des Andes aussi a été recouverte d'eau. 스페인 쿠엔카로 가볼까요? Là on va aller à Cuenca en Espagne. 여기에는 특이한 공원이 있죠? Là il y a un parc assez particulier. 예, 이렇게 생겼습니다. Comme ça. 예. 참 특이하죠? C'est assez particulier, n'est-ce pas? 예. 옆에서 툭 치면 쓰러질 것 같은데요. On a l'impression que si on pousse un peu, ils vont tomber. 자, 이 공원에 이런 게 많아요. Dans ce parc, on voit vraiment beaucoup de choses comme ça. 예, 잠시 둘러보시죠. On va faire un petit tour. 자, 근데 생긴 게 다 비슷하죠? Mais on voit qu'ils se ressemblent tous, n'est-ce pas? 자, 이 위에 한번 올라가 봤습니다. Donc on est monté au-dessus. 이렇게 생겼어요. Et ça ressemble à ça. 자, 여기가 그 윗부분입니다. Donc là, c'est en haut. 어떻게 보이셔요? Comment ça apparaît, ça apparaît pour vous? 본래 여기가 지표면에 따른 뜻이에요. En fait, là on voit que c'était une surface pleine en fait. 자, 여기도 물로 덮고 있다가 물이 물러가면서 빠져나가면서 약한 부분을 싹 쓸어버린 거예요. En fait, ici aussi c'était recouvert d'eau de base, mais lorsque les eaux se sont évacuées assez rapidement, bah, ils ont justement fait disparaître justement les fondations qui étaient assez faibles. 특별히 이런 지형으로 생겨난 거죠. Et ça a formé ce genre de particularité. 예, 그러면 그 증거가 있습니까? 물이 있었다는 증거가 있습니까? Dans ce cas, mais est-ce qu'il y a des preuves comme quoi il y avait vraiment de l'eau ici? 예, 지금은 그 증거들을요 팔고 있어요. Et vous savez que là-bas, en fait, ils vendent même ces preuves. 예, 물속 화석들이 여기서 대량 발견되고 있습니다. En fait, on retrouve énormément de fossiles des sous-marins dans cette région. 예, 4유로짜리예요. Par exemple, là, on voit des fossiles à 4 euros. 네, 조금 더 이쁜 거는 5유로죠. Un peu plus joli, c'est 5 euros. 예, 쿠엔카 한번 가보셔요. 이거 살 수 있어요. Si vous allez à Cuenca en Espagne, vous verrez que vous pouvez en acheter. 아, 지금은 코로나라서 팔지 그거는 잘 모르겠습니다. Après, je sais pas que si à cause du corona ils en vendent encore ou non. 자, 그리고 캐나다로도 한번 가보죠. On va aussi au Canada. 캐나다에는 높은 로키 산맥이 있습니다. On a les monts Rocky là-bas. 제가 여기를 두 번 가봤습니다. Je suis allé deux fois déjà. 정말 아름다워요. C'est vraiment beau. 자, 근데 여기 로키 산맥의 이 산의 모양을 한번 봐보십시오. Mais regardez la forme de ces monts de Rocky ici. 아까 이런 그 빗살무늬 지층이 여기에 다 보이죠? Et vous voyez justement les bandes comme on a vu aussi tout à l'heure. 고속버스로 그러니까 버스로 한 60에서 80km로 가면은 이 한 시간 동안 통과해야 되는 그런 길이에요. Ici c'est un chemin justement où quand vous êtes en bus justement même à 60-80 km/h vous devez traverser pendant une heure. 제가 이걸 두 번 통과해 봤는데요. Et moi j'ai passé par là deux fois. 예, 양쪽에 산이 이렇게 있습니다. Donc sur chaque côté en fait il y a des monts. 그 다 똑같이 이렇게 생겼어요. Mais ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent comme ça. En fait. 전부 다 물속에 있었다는 뜻입니다. Et tous ces monts justement étaient sous l'eau. 뿐만 아니라 이거는 이제 빅토리아 산이라는 건데요. Ici c'est le mont Victoria. 예, 이 강은 이 호수는 레이크 루이스 호수예요. Et ce lac est appelé le lac Louis. 예, 이 정도 얼음이 이 하얀 거는 얼음이거든요. Et est-ce que vous voyez en blanc, ici c'est la neige. 자, 이 빙하가 여기는 다 녹아 있죠. Là devant vous voyez que les neiges ont fondu. 한 7월 정도 되면 이렇게 됩니다. Donc en juillet à peu près ça devient comme ça. 한 6월이면은요 아직 여기에 빙하들이 아직 남아 있어요. En juin encore il y a encore des glaces ici tout autour. 예. 그래서 7월이면 한참 더울 때인데 아직도 얼음이 보이잖아요. Alors que en juillet c'est en plein été mais on voit encore des neiges qui recouvrent cette montagne. 자, 그런데 이 높은 곳에 이런 화석들이 길에 널려 있습니다. Mais cela veut dire que ce sont des montagnes vraiment très hauts mais c'est dans cette montagne qu'on retrouve ce genre de fossiles. 이런 게 왜 거기 있냐 이 말이에요. Alors pourquoi ce genre de fossiles se trouve dans cette région? Lake Louise 옆에 호텔이 하나 있어요. À côté de Lake Louise, il y a un hôtel. 자, 거기 예, 로비에 가면 이런 걸 전시해 놨어요. Et si vous allez dans le
Dans l'accueil, en fait, vous verrez ce genre de décoration. 예뻐서 찍어왔습니다. En fait, c'était joli, du coup, j'ai pris une photo. 왜 이렇게 물 속에서만 살아야 되는 이러한 것들이 높은 로키 산맥에 올라와 있냐 이 말이에요. Alors que ces êtres justement qui devaient vivre sous l'eau, qu'est-ce qu'ils font justement dans les autres montagnes? 여러분, 화석을 연구하면 연구할수록 대홍수는 입증되고 있어요. Plus on étudie les fossiles, plus on a la preuve comme quoi le déluge a vraiment existé. 노아의 홍수 사건이 아니면 설명되지 못하는 게 너무나도 많습니다. Et sans le déluge de Noé, en fait, il y a des choses qui ne sont inexplicables. 자, 그리고요. 예. Ensuite. 가장 중요한 것은 노아의 방주예요. Ce qui est le plus important, c'est l'arche de Noé. 만약에 방주를 지금 발견할 수 있다면 이제 더 이상 논쟁의 여지가 없죠. Si on peut retrouver justement l'arche de Noé de nos jours, dans ce cas, il n'y a plus de polémique. 계속해서 노아의 방주는 발견되고 있습니다. Et l'arche de Noé continue à être découverte. 창세기 8장에 아란산에 머물렀다고 했죠. On a vu tout à l'heure dans le chapitre 8 que l'arche s'est arrêtée dans les monts Ararat. 지금 예, 아라라산이 있어요. Et ce mont Ararat existe toujours. 자, 여기 보시면 아라라산이죠? Ici vous voyez le mont Ararat. 아라라산 5,165m. Et c'est 5,165 m de hauteur. 굉장히 높은 산이에요. Et c'est vraiment une montagne très haute. 자, 그래서 이렇게 얼음이 옵니다. Et c'est toujours recouvert de neige là-bas. 자, 노아의 방주가 묻힌 곳 해발 5,165m 관광객이 지금 붐빈다. Et le lieu où est enfoui justement l'arche de Noé se retrouve à 5,165 m au-dessus du niveau de la mer. 자, 이 정상 어디인가 이 노아의 방주가 있다라는 거예요. Donc l'arche de Noé est présent dans le sommet de ces montagnes. 자, 하나님께서 증거로 얼려 두셨습니다. Pour que comme preuve justement Dieu l'a glacé cette arche. 자, 그리고 지금에서야 이제 발견되게 하시는 거예요. Et c'est de nos jours justement qu'on commence à découvrir cette arche. 근데 지금뿐만 아니라 이전부터 계속 탐험가들에서 발견됐습니다. Mais en fait, ce n'est pas seulement de nos jours, mais depuis plusieurs années, justement, par les chercheurs, justement, cette arche a été découverte. 네, 자랑스럽게도 이 프랑스 사람이 발견했어요. Et on pouvait être fier, c'est un Français qui l'a découvert. 예, 페르낭 나바라. Ce Fernand Navarra. 자, 이 사람이 아들 하파엘과 함께 올라갔습니다. Il est monté avec son fils Raphaël. 아들이고요. Donc, c'est son fils. 이 방주 안에 들어가서 나무 조각 하나를 떼 가지고 지금 끌어올리고 있습니다. En fait, il est rentré dans l'arche et il a coupé justement le bois et il est en train de le faire remonter. 그 조각을 가지고 내려왔어요. Donc il a pris ce bois et il est redescendu. 사진도 찍었습니다. Donc il a pris des photos. 자, 그리고 세 조각으로 나눠 가지고 연구소에 보냈습니다. En fait, il a divisé ces morceaux de bois en trois parties et il a envoyé dans différents laboratoires. 예, 전부 다 5,000년 전에 나무임을 밝혀냈습니다. Et chaque laboratoire où il les a envoyés ont confirmé que ce bois datait de 5,000 ans. 자, 이 나바라 씨는요, 그 나무 조각 들고 다니면서 내가 봤다라고 지금 증거를 하고 있어요. Et ce Fernand Navarra justement témoigne justement que que l'arche existe vraiment en montrant justement ce bout de bois. 자, 노아의 방주 아라스산 얼음 속에 있습니다. Donc l'arche de Noé est dans les glaces des montagnes d'Ararat. 예, 노아의 방주 터키 아라스산에서 찾았다. L'arche de Noé a été retrouvée dans les montagnes d'Ararat en Turquie. 구약 성경에 나오는 것과 모양과 크기가 똑같다 이 말이에요. Et que c'est la même forme et même taille que celle décrite dans l'Ancien Testament. 이 나바라 씨는요, 거기 그거를 찾을 때 그 죽을 뻔했습니다. Et Navarra en fait quand il a découvert cette arche, il a failli mourir. 예, 이 빙하에 예, 굉장히 빙하 이렇게 올라가는 게 굉장히 위험하거든요. Parce que c'est vraiment très dangereux de monter sur les glaces, les montagnes glaciaires. 자, 그리고 노아의 방주가 찾기 좀 어려운 곳에 있어요. Et c'est vrai, il est vrai aussi que l'arche de Noé se trouve dans un endroit qui est particulièrement difficile à découvrir. 그래도 나는 내 눈으로 봐야 믿겠다 하시는 분은 예, 돈도 모으고 체력도 모아가지고 한번 올라가 보셔요. Mais après, s'il y a parmi vous qui disiez que moi, il faut que je regarde avec mes propres yeux pour le croire, dans ce cas, économisez un peu et économisez aussi vos forces pour aller voir directement.
근데 힘들고 바쁘시잖아요. Mais vous êtes c'est dur et si vous êtes toujours tous occupés, n'est-ce pas? 자, 그래서 홍콩 탐험대가 올라가서 다 찍어 왔습니다. Et du coup, bah, une équipe hongkongaise justement de ces chercheurs sont allés là-bas et prendre ils ont pris des photos. 자, 이거는 예, 박물관입니다. Ça c'est un musée. 그 노아의 방주 모양 1대1로 만든 거예요. En fait, c'est un musée où ils ont construit l'arche en taille réelle. 여기서 집중해서 보실 것은 코끼리의 크기죠. Mais ce qui est important ici, c'est de voir la taille de l'éléphant. 방주가 이렇게 큰 배입니다. Il faut savoir que l'arche de Noé était vraiment un grand navire. 예. 이 탐험대가요. 3년, 4년, 6년, 7년, 8년에 각각 올라갔었습니다. Ils sont montés justement à partir de 2003 chaque année jusqu'en 2008. 자, 그때는 못 찾았고요. Et à ce moment-là, ils n'ont pas réussi à le trouver. 2009년 10월에 올라갔을 때 드디어 발견했습니다. Mais c'est en 2009, en octobre, qu'ils ont découvert. 자, 증거 자료들을 다 수집을 해서 내려왔고요. Donc ils ont rassemblé tous les preuves et ils sont descendus. 2010년 4월에 찾았다라고 기자회견을 열었어요. Et en 2010, ils ont fait une conférence comme quoi ils ont trouvé l'arche. 이렇게 네, 사진도 찍고 기자회견도 했습니다. Donc ils ont été pris en photo comme ça et ils ont fait une conférence. 네, 노아의 방주 터키에서 발견했다. Qu'ils ont découvert l'arche de Noé en Turquie. 네, 그리고요. 7개 공간을 지금 들어갔습니다. Et ils sont allés même dans 7 endroits différents dans l'arche. 그래서 사진도 찍고요. Donc ils ont pris des photos. 네, 이거 나무죠? Donc c'est du bois. 예, 나무입니다. 들어가서 찍었어요. C'est du bois et vous voyez qu'ils ont pris des photos à l'intérieur aussi. 예. 자, 그리고 이거를 예, 공식적으로 발표했습니다. Ils ont publié enfin ils ont confirmé ça publiquement. 예. 그래서 중국 북경 방송에서 예, 뉴스에도 발표했어요. Ils ont même annoncé ça dans les journaux du Pékin. 잠시 보시죠. Regardez. 2000년 전에 중국 역사에 기록된 노아의 방주가 홍수 후 터키 아라랏산 위에서 발견되었습니다. 요즘 이 노아의 방주와 관련된 영화 2012년에서도 노아의 방주가 등장합니다. 그래서 중국 홍콩 탐험대가 아라랏산을 관리하는 정부 탐험대와 연합하여 영구 확인하러 노아의 방주가 있는 곳에 올라갔습니다. 홍콩 탐험대와 터키 정부가 공동으로 북경에서 탐험 결과를 발표했습니다. 터키 아라랏산에 노아의 방주가 있는 것을 네덜란드 전문가가 확인했습니다. 전문가는 발견 결과를 확인하고 아라랏산에 있는 것이 노아의 방주가 맞다고 발표했습니다. 저는 35년 동안 노아 방주를 연구했습니다. 많은 자료들을 검토한 결과 노아의 방주를 발견한 것이 확실합니다. 아라랏산은 기온이 너무 낮아서 얼음이 얼고 3,000m 이상은 일반 사람이 오르기 힘듭니다. 주위에는 나무가 없고 살 수도 없습니다. 노아의 방주 외에는 나무 조각이 주변에서 발견될 수 없습니다. 우리 탐험대는 방주 안에 들어갔고 많은 자료들을 발견했습니다. 사진과 동영상을 촬영했고 가지고 온 노아의 방주의 자료들을 홍콩 박물관에 전시할 계획입니다. 성경 창세기에 나오는 노아의 방주가 사실이라고 합니다. 하나님을 믿지 않는 중국에서도요. 이 증거들을 보고서는 아, 성경에 나온 노아의 방주가 사실이구나 발표하잖아요. Même la Chine qui est un pays qui ne croient pas en Dieu, ils ont publiquement affirmé que, grâce à ces preuves, comme quoi le déluge de Noé et l'arche de Noé a vraiment existé. 자, 성경에는 내 생각에 믿기지 않은 것은 있을지 몰라도 에, 사실로 밝혀지지 않은 것은 없습니다. Il y a des choses dans la Bible que je n'arrive pas à croire par mes pensées, mais il y a aucune chose qui ne s'avérait pas d'être faux, mais qui est tout vrai. 하나님은 역사를 주관하시는 하나님이셔요. Dieu est celui qui contrôle l'histoire. 지난 역사에 대해서 에덴 동산 그리고
그리고 노아의 홍수 사건을 살펴봤습니다. Donc depuis hier justement on a vu sur le jardin d'Éden et ensuite le déluge. 그 하나님은 전능자셔요. Et ce Dieu est un Dieu tout-puissant. 역사를 주관하시는 분입니다. Parce qu'il dirige l'histoire. 이게 너무 당연한 게 하나님이 창조주시라서 그런 거예요. En fait, ce qui est parfaitement normal parce que Dieu est le créateur. 하나님이 창조주시라면 모든 문제가 다 풀립니다. Parce que si Dieu est le créateur, bah dans ce cas toute question en fait auront une réponse. 자, 여기 말씀을 잠깐 보시죠. Regardez ici. 창세기 1장 1절을 두 번 같이 읽도록 하겠습니다. On va lire deux fois le Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 너무 중요한 구절이라 제가 한번 더 읽겠습니다. Comme c'est un verset très important, je vais vous relire une fois. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 예, 하나님께서 이 지구와 우주를 창조하셨다라는 말씀이에요. Ici, cela veut dire que Dieu, c'est Dieu qui a créé la terre, mais aussi l'univers. 예, 여러분, 천지 창조 중요한 겁니다. La création des cieux et de la terre, c'est très important. 우리가 믿고자 하는 하나님은 그냥 조그마한 신이 아니에요. Le Dieu qu'on veut croire, ce n'est pas un Dieu d'une petite région. 예, 섬기지 않으면 협박해 가지고 해코지하는 그런 예. 째째한 하나님이 아닙니다. Ce n'est pas Dieu, un Dieu radin. Si on le croit pas en lui, bah, il va nous retourner sa veste. 우리가 지금 배우는 하나님은 창조주이신 거예요. Le Dieu qu'on est en train d'apprendre, c'est le Dieu, le Créateur. 그럼 창조주 아니면 하나님 아닙니다. Il faut savoir si Dieu n'est pas le Dieu de Créateur, bah, dans ce cas, ce n'est pas un Dieu. 네, 단언컨대 창조주가 아니면 하나님이 아니에요. Je peux affirmer que si ce n'est pas le Dieu, le Créateur, mais dans ce cas, il n'est pas Dieu. 창조주가 아니면 가짜 신이고 그리고 우상이고 사탄 마귀입니다. S'il n'est pas le Créateur, bah dans ce cas, c'est un faux Dieu, c'est un idole, c'est le diable. 자, 예레미야 10장 11절 말씀을 읽겠습니다. On va lire aussi Jérémie chapitre 10 verset 11. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. 천지를 짓지 아니한 신은 땅 위에서 이 하늘 아래서 망하리라. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. 자, 이렇게 말씀드리면요, 사람들 꼭 이렇게 말합니다. En fait, quand on montre ces versets, les gens, il y a certaines personnes qui disent ainsi. 야, 기독교 너희는 독선적이다. Ah, mais vous, les chrétiens, le christianisme, vous êtes vraiment personnel. 왜 너희만 옳다고 하느냐? Pourquoi vous dites que c'est vous qui avez raison? 예? 다른 섬길 수 있는 마음에 드는 신들이 많은데 왜 꼭 하나님만 섬기라고 하느냐? Alors qu'il y a plein de dieux qu'on peut croire, mais pourquoi vous nous obligez justement à croire seulement Dieu? 예. 사람 입장에서 보면은 그렇게 볼 수도 있겠죠. C'est vrai qu'aux yeux des hommes, il peut se poser ce genre de questions. 자, 그러면 좀 극단적이긴 한데 한 가지 비유를 들어볼게요. C'est un peu radical, mais je vais prendre un exemple. 자, 어느 남편과 아내가 있습니다. Donc il y a un mari et sa femme. 자, 법적으로도 예, 결혼, 혼인 신고까지 다 해가지고 결혼식도 하고 남편과 아내예요. Donc ils ont fait le mariage, donc légalement et sur le papier aussi, ils sont mari et femme. 자, 남편이 아내에게 이야기합니다. Et ensuite le mari dit à sa femme. 내가 당신 남편이요. Donc je suis ton mari. 나만 사랑하세요. Donc aime-moi seulement. 자, 아내가 그 말을 듣고 이렇게 이야기합니다. Et la femme en entendant ça, elle lui dit. 아니 세상에 멋진 남자들이 얼마나 많은데 당신은 꼭 당신만 사랑하라고 하냐고. Elle lui répond en disant, mais dans ce monde, il y a beaucoup de belles hommes. Pourquoi je dois aimer que toi? 그 너무 독선적인 거 아니에요? C'est égoïste. 여러분 남편이 문제예요, 아내가 문제예요? Là, dans ce cas, est-ce que c'est le mari qui est un souci ou c'est la femme qui est un souci? 아버지가 아들에게 이야기합니다. Et le père dit à son fils. 내가 너를 낳은 아버지다. Je suis ton père qui t'a engendré. 네, 나만 아버지다. Donc je suis ton père, je suis le seul père. 네, 나를 사랑하고 나를 존경하는 게 맞다. Donc il est normal que tu m'aimes et que tu me respectes. 아들 이야기합니다. Mais le fils lui répond.
세상에 멋진 아저씨들이 얼마나 많은데 돈 많고 인자하고 잘해주는 아저씨들이 얼마나 많은데 왜 꼭 아버지만 섬기라고 합니까? 독선적입니다. Le fils lui répond en disant mais dans ce monde il y a de, vraiment de, beaucoup de bons hommes qui sont riches ou qui sont gentils etc. Mais pourquoi toi père tu me dis de t'aimer que toi et de respecter que toi? Tu es égoïste. 예, 이 아들 문제죠? Le fils là il y a pas un souci. 꼭 그와 같다 이 말이에요. Donc c'est ça ressemble à ça. 하나님은 창조주이십니다. Dieu est le Dieu créateur. 그러면 하나님만 섬기는 게 그게 인간의 도리인 거예요. Bah dans ce cas de croire juste en Dieu seulement, c'est le devoir justement de l'homme. 하나님은 창조주셔요. Il est le créateur. 세상 어느 종교도 창세기 1장 1절처럼 시작하지 않아요. Dans aucune religion justement commence comme le Genèse chapitre 1 verset 1. 또 어느 종교 경전도 창조의 과정을 설명하고 창조의 증거들을 보여주지 못합니다. Dans aucun livre religieux ne décrit justement la création de la terre et n'explique comment la terre a été créée. 그런데 성경은 달라요. Mais la Bible est différente. 하나님이 창조주이심을 설명하는 책입니다. C'est un livre où explique justement Dieu est le créateur. 자, 여기 로마서 1장 20절 말씀을 읽겠습니다. Allons voir dans Romains chapitre 1 verset 20 ici, je vais vous lire. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. 자, 하나님께서 만드신 만물을 보면 하나님의 능력과 신성을 엿볼 수 있다고 말씀하고 있죠. Il est dit que quand on considère justement dans ses ouvrages, on peut voir son éternité et divinité. 그래서 우리는 만물을 좀 자세하게 살펴볼 필요가 있습니다. Donc on a besoin justement d'observer un peu, de bien observer justement la création du monde. 여러분 이거를 아셔야 돼요. Et c'est ce que vous devez savoir. 천지를 지으신 창조주 하나님은요. 사랑의 하나님이셔요. Que Dieu, le créateur de toutes ces choses, justement, il est aussi le Dieu d'amour. 이사야 45장 18절에 이렇게 말씀하셔요. Et dans Isaïe chapitre 45 verset 18, il dit 세상 만물을 창조하셨는데 그 목적이 뭐냐면 사람으로 거하게 하시려고 만드셨다. Il dit qu'il a créé toutes choses, mais le but justement de sa création, c'est pour que l'homme justement pour que en fait toutes ces choses puissent être habité par l'homme. 자, 그래서 우리는 창조된 만물을 조금 뜯어 보아야 됩니다. Dans ce cas, nous devons essayer de voir en détail un peu les créations du monde. 네, 화면을 잠깐 보시죠. Regardez à l'écran. 방금 읽으셨던 말씀입니다. Donc c'est le verset qu'on vient de lire tout à l'heure. 자, 그의 영원하신 능력과 신성이 만드신 만물에 분명히 보여 알게 된다. Donc sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. 여러분 자연 만물을 보면은요 너무 경이롭지 않습니까? Lorsque vous regardez la nature, c'est assez incroyable, n'est-ce pas? 너무 신기하니까 사람들은 알 수 없으니까 저절로 됐다 이렇게 이야기를 하거든요. C'est tellement miraculeux justement les gens se disent mais c'est impossible que ça soit créé donc ça s'est fait automatiquement, ça s'est fait tout seul. 그 놀라운 게 또 뭐냐면 저절로 됐다에다가 과학을 붙여놨어요. Mais ce qui est encore étonnant justement, c'est que ils disent justement que ça s'est fait tout seul, mais ils ont rajouté la science là-dedans. 그런데 또 그거를 과학이라고 또 사람들은 받아들여요. Mais en plus, le problème, c'est que les gens maintenant, ils acceptent comme quoi c'est de la science. 자, 우리 좀 양심적으로 한번 생각을 해봅시다. Mais réfléchissons avec le cœur, avec la conscience. 자, 누가 만들었다 이게 과학적인 말인가요? 아니면 저절로 됐다 스스로 됐다 이게 과학적인 말인가요? Est-ce que c'est plus scientifique de dire quelqu'un l'a créé ou est-ce que c'est plus scientifique de dire bah ça s'est fait tout seul, ça s'est fait automatiquement? 자동차 한 대를 만들려면 약 3만 개 부품이 필요합니다. Pour créer, pour construire une voiture, il faut à peu près 30 000 pièces. 그리고 겨울에도 견디고 여름에도 견뎌야 되니까 테스트 성능을 해요. Et pour qu'il puisse résister à l'été et aussi en hiver, bah ils font des tests de fiabilité.
거기에 합격해야만 부품으로 조립이 되거든요. Parce que il faut qu'il justement réussisse à ces tests, à ces épreuves de fiabilité pour qu'il puisse être monté et être vendu. 예, 자동차 참 많죠. Il y a beaucoup de voitures, n'est-ce pas? 자, 저 가운데 저절로 된 거 있으면 한번 말씀해 보셔요. Mais est-ce que parmi toutes ces voitures, est-ce qu'il y a des voitures qui sont qui ont été construites tout seul? 공장에 태풍이 불어 가지고 모든 부품이 공중에 떠서 착 떨어졌더니 자동차가 됐더라. 이런 거 있으면 한번 말씀해 보세요. Dites-moi si par exemple dans une usine de construction d'automobile, s'il y a eu une tempête qui s'est ravagée justement dans cette usine, que toutes ces pièces sont montées dans la tempête et dans la tempête bah une voiture s'est construite et descendue du ciel. Si ça si c'est le cas, bah dites-moi. 여러분, 과학의 결론은요. 신학으로 귀결됩니다. Ce qu'il faut savoir que le résultat justement de la science se finit toujours par la croyance. 그래서 위대한 과학자들 가운데 하나님을 믿는 사람들이 많아요. Parce que il est vrai aussi que parmi les plus grands scientifiques de l'histoire, il y en a beaucoup qui sont qui croyaient en Dieu. 만유 인력의 법칙을 발견한 아이작 뉴턴 하나님을 잘 믿는 사람이었습니다. Par exemple, Isaac Newton qui a découvert la loi de la gravité était une personne qui croyait vraiment en Dieu. 여러분, 그 아이작 뉴턴이 과학 논문보다 신학 논문을 더 많이 쓴 거 아셔요? Est-ce que vous savez que ce Isaac Newton justement a écrit plus de livres sur le christianisme que de livres scientifiques? 여러분, 그 수학의 천재가 있다면 파스칼입니다. On peut dire aussi que, par exemple, Pascal est un génie de mathématiques. 여러분, 파스칼은요, 하나님을 잘 믿는 사람이었어요. Et Pascal aussi était un grand croyant. 예. 그가 쓴 책, 사랑의 팡세. 사랑의 팡세. Il a écrit un livre, justement, qui s'appelle La pensée de l'amour. 파스칼은 구원받은 사람인 겁니다. Pascal était une personne qui était sauvée. 여러분 주위를 한번 둘러봐 보십시오. Regardez autour de vous. 세상에 저절로 생긴 게 뭐가 있습니까? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui s'est vraiment créé tout seul? 여러분 눈앞에 벽에 박혀 있는 못 있죠? Vous voyez par exemple un clou qui est enfoncé dans le mur que vous voyez ici? 못 하나도 저절로 박혀 있는 거 없어요. Même ce clou, ce petit clou ne s'est pas retrouvé là tout seul. 목적이 있어서 거기에다 누군가 힘을 줘서 박아놓은 겁니다. C'est parce qu'il y a un but, un objectif pour laquelle que cette clou a été clouée ici. 자, 무언가 생기려면 에너지가 들어가야 되거든요. Pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose qui soit créé, bah, il faut de l'énergie. 자, 에너지 보존 법칙 있잖아요. Donc il y a la loi justement de force de l'énergie. 이건 변하지 않는 겁니다. 과학적인 겁니다. C'est quelque chose qui ne change pas. C'est quelque chose qui est scientifique. 이 우주가 그냥 생기냐 이 말이에요. Est-ce que cet univers a été s'est fait tout seul? 최초에 에너지가 들어가지 않았냐 이 말이에요. Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'énergie dès le début? 그 에너지는 누가 줬냐 이 말이에요. Bah dans ce cas, cette énergie, bah c'est qui l'a donné? 성경은 하나님이라고 말씀하시는 겁니다. Et la Bible dit clairement, c'est Dieu. 자, 만물에 하나님의 능력과 신성이 있다. Et que dans la création du monde, justement, on voit sa puissance éternelle et sa divinité. 자, 여기 건물을 봐보십시오. Regardez ces tours. 정말 높은 빌딩이죠? Ce sont des tours qui sont très hautes. 저절로 되지 않았습니다. Bah, ils ne sont pas construits tout seuls. 자, 이 건물이 예, 정말 아름답죠? Ce bâtiment-là, il est vraiment beau. 누군가 미적인 감각이 있는 겁니다. C'est quelqu'un qui a vraiment un sens de l'art. 자, 만든 사람의 능력이 보이지 않습니까? Quand on voit la construction, bah on voit justement la puissance de celui qui l'a créé. 만든 사람의 성품이 보이잖아요. Et on voit justement la personnalité de la personne qui l'a créé. 자, 파리에도 있죠. Pareil aussi on peut trouver. 예, 에펠탑. La tour Eiffel par exemple. 여러분, 에펠탑, 이야, 정말 멋진데 스스로 됐네 이렇게 말하면 미친 거예요. Et si on dit par exemple la tour Eiffel, ah elle est vraiment très belle, mais c'est fait tout seul, bah, dans ce cas, si quelqu'un dit ça, bah, il est fou. 빨리 병원 가봐야 됩니다. Il est fou, donc il faut qu'il se précipite à l'hôpital. 자, 그런데 이 사람이, 야, 증거를 대봐라, 이거 스스로 된 거지, 나는 못 봤다, 증거를 대봐라.
그래요. Imaginons cette personne dit que donne-moi des preuves comme quoi c'est quelqu'un qui l'a fait. Moi, je l'ai pas vu de mes propres yeux, donc je ne crois pas. Ça s'est fait tout seul. 자, 에펠탑 증거 다 찍어왔습니다. J'ai pris des preuves de construction de la tour Eiffel. 예, 터를 잡을 때부터요. Depuis que qu'ils ont choisi justement le terrain. 자, 이 구조를 이제 쌓아 올리고 있죠. Donc ils commencent à monter. 사진으로 다 증거 남겼습니다. Ils ont laissé des preuves en photo. 자, 그리고 설계도도 있어요. Ils ont même le plan de construction. 재료는 뭘 쓸지. Quel matériau qu'on doit utiliser. 구조는 어떻게 할지. La structure. 또 어떤 시설을 설치할지. Et qu'est-ce qu'on doit installer aussi comme technique. 지금 다 있습니다. Tout est présent. 네, 에펠탑 절대 이 큰 에펠탑이 저절로 생길 리가 없죠. Et cette grande tour Eiffel ne peut jamais se faire tout seul. 여러분, 이 작은 것도 그냥 안 생겨요. Même cette petite chose ne se fait pas tout seul. 자, 이거 예, 지어졌는데요. 이 사람의 솜씨가 들어가 있습니다. Pour que cette maison de chien soit construite, il faut cette personne donne la peine. 자, 이 계집을 왜 만들었을까요? Et pourquoi elle a construit justement cette maison pour ce chien? 자. 자, 이 사람의 사랑이 들어가 있죠. C'est là on peut trouver justement l'amour du propriétaire du chien. 자, 목적은 개가 거하도록. L'objectif c'est pour que le chien puisse demeurer dedans. 이 계집도 그냥 스스로 되지 않아요. Même cette demeure du chien justement ne se fait pas tout seul. 하물며 이 대우주가 그냥 됐겠습니까? Alors cet univers qui est immense pourra-t-il être construit tout seul? 이 거대하고 아름다운 우주가 저절로 될 리가 없어요. Cet univers qui est si immense est-ce qu'il pourrait vraiment se faire tout seul? 사람들이 모르니까 그냥 저절로 됐다 그런 거죠. C'est parce que les gens justement ne savent pas comment ça s'est fait donc ils disent que ça s'est fait tout seul. 그런데 놀랍게도 하나님이 이 거대한 우주를 왜 만드셨느냐? Mais ce qui est étonnant c'est que pourquoi Dieu a créé cet univers qui est si immense? 이사야 45장 18절 보시면요. Isaiah chapitre 45 verset 18. 자, 하나님께서 헛되이 창조치 아니하시고 다 읽어 주십시오. Donc le 45 par l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. 사람으로 거하게 지으신 분이에요. C'est pour qu'il pût il a créé justement toutes ces choses pour qu'il fût habité par l'homme. 이 지구와 우주가 왜 만들어졌느냐? 사람으로 거하게. Pourquoi la terre et l'univers a été créé? C'est pour que l'homme puisse habiter là-dedans. 자, 견고케 창조하셨어요. Et il a affermi. 욥기 38장 4절에 땅에 기초를 놓으셨다고 말씀하십니다. Et dans Job chapitre 38, il est écrit qu'il a placé la structure de la terre. 자, 그리고요. 지구를 만드실 때 이 도량과 준승을 정하셨다라고 말씀하셔요. Et il a aussi dit qu'il a fixé les dimensions et le cordon justement de la terre. 자, 도량은 크기와 무게입니다. Les dimensions c'est la taille et aussi le poids. 자, 준승이라는 것은 거리예요. Le cordon justement c'est la longueur, la distance. 자, 이거를 정하신 이유가 사람으로 거하게. Pourquoi il les a définis, pourquoi il les a affermis, c'est pour que l'homme puisse habiter. 자, 그래서 태양으로부터 지구는요, 정확히 1억 5천만 킬로미터가 떨어져 있습니다. La distance entre la Terre et le Soleil, c'est plus exactement 150 millions de kilomètres. 자, 지구는요, 이 녹색 띠를 따라서 돌고 있어요. Et la Terre tourne autour de cette zone verte. 생명체가 살 수 있는 지역인 겁니다. C'est une zone qui est habitable par les êtres vivants. 가까우면 너무 뜨거워요. S'ils sortent justement de cette zone, s'ils se rapprochent du soleil, c'est trop chaud. 조금만 벗어나면 다 얼어버립니다. S'ils s'éloignent, ils vont tous être gelés. 여러분, 지구는요 정말 신비해요. La Terre est vraiment impressionnant. 자, 과학자들이 말하기를 20만 가지 조건이 맞아야 생명체가 살 수 있다라고 합니다. Les scientifiques disent qu'il faut que la condition plus de 200 000 conditions soient présentes sur cette terre pour que l'homme puisse y vivre. 그 중에 한 가지라도 안 맞으면 생명체가 살 수 없는 거예요. Et ils disent aussi que s'il y en a un qui manque, dans ce cas-là, les êtres vivants ne peuvent pas vivre. 다 있는데 태양과의 거리가
이게 지금과 같지 않으면은 살 수가 없는 겁니다. Par exemple, on possède tout, mais si la distance entre le soleil et la terre était plus courte, bah dans ce cas aucune vie ne pourrait vivre. 가까우면 물이 전부 다 기체 상태로 존재해요. Parce que si la terre se rapproche du soleil, bah il fera tellement chaud que l'eau va tout l'eau va s'évaporer. 좀 멀면은 다 얼음으로 존재하죠. Et si c'est loin, bah toute l'eau sera gelée. 지구에 액체 물이 있어요. Il y a c'est sur la terre qu'on retrouve justement de l'eau en liquide. 다 있는데 달과의 거리가 38만 킬로미터가 아니면 사람 다 죽어요. Et il faut savoir aussi si on possède tout, si on possède toutes les conditions, mais si la lune ne se retrouve pas à 380,000 km de la terre, les hommes mourront. 자, 그리고 다 있는데 지구의 크기가 조금만 크거나 작으면 또 사람이 못 삽니다. Alors qu'on possède toutes conditions, mais si la Terre ne fait pas la taille actuelle, soit elle est plus grande ou soit elle est plus petite, dans ce cas, les hommes mourront aussi. 자, 특별히 지구가 좀 크면은요, 중력이 더 강하죠? Parce que si la Terre était plus grande, dans ce cas, la force de gravité sera encore plus forte. 그러면 사람에게 해로운 공기가 밖으로 못 나가죠? Bah, dans ce cas, tout ce qui est toxique à l'homme, en fait, ne pourront pas sortir. 만약에 지구가 지금보다 작으면요. Mais si la Terre était plus petite que maintenant. 생명에 필요한 공기가 다 밖으로 탈출해 버려요. Dans ce cas, tous les airs justement qui sont bénéfiques pour l'homme, pour la vie, vont sortir. 역시 사람이 살 수가 없습니다. Et pareil, aucun ne pourra y vivre. 여러분 지금 우리 저 뭐죠? 그 산소 산소가 1%만 더 많으면 숨쉬기 더 좋을 것 같죠. Est-ce que vous pensez que par exemple si on a 1% de plus de l'oxygène que maintenant, ça sera plus facile pour nous de respirer? 사람 다 죽어요. Il faut savoir que si il y a une augmentation de 1%, l'homme va mourir. 예, 화재 났을 때 불이 안 꺼집니다. Et par exemple aussi lorsqu'il y aura un incendie, le feu ne s'éteindra jamais. 1%만 모자라도 산소 결핍으로 다 죽어요. Et même encore, si on manque de 1% d'oxygène, bah, on va mourir parce que, à cause des problèmes respiratoires. Et vous savez que la Terre est inclinée de 23,5 degrés. Et vous savez que c'est à cause de cette inclinaison justement qu'il y a cette... 대기, 공기의 흐름. Que ça favorise justement à la circulation de l'air. 또요, 이 자전 속도만 보더라도 이거 놀라운 겁니다. Et même la vitesse de rotation aussi c'est assez impressionnant. 24시간 걸리잖아요. Ça c'est 24 heures. 만약에 낮과 밤의 길이가 훨씬 더 길다면 어떻게 될까요? Imaginez si le jour ou la nuit était encore plus long que maintenant. 낮에 다 말라버려요. Dans ce cas, bah, pendant la journée, tout va être desséché. 이 밤의 길이가 더 길어지면요, 다 얼어 죽을 것들 많습니다. Et si la nuit était encore plus longue, bah, dans ce cas, il y a plein de choses qui vont mourir de froid. 자, 공전 속도도요, 굉장히 적당한 겁니다. Et la vitesse de révolution aussi était parfaite. 자, 이것 때문에 사계절이 길이가 조절이 되잖아요. C'est grâce à ça justement qu'on a les quatre saisons, que les durées justement de ces quatre saisons sont définies. 그 외에도 많이 있습니다. Et à part ça, il y a d'autres choses encore. 여러분 지구는요 잘 들여다봐 보셔요. Mais la Terre, il faut vraiment l'observer de près. 지구와 같은 다른 행성이 없습니다. Et vous verrez qu'il n'y a point d'autres de satellites comme la Terre. 자, 화성을 과학자들이 들먹거리고 있는데 생각해 보셔요. 거기 가서 살 수 있겠던가요? Les scientifiques maintenant de nos jours recherchent activement sur le Mars, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourra y vivre là-bas? 예, 지구 같은 곳 없습니다. 사람으로 거하게 지으신 자신이라. Il n'y a point d'autre planète justement ou comme la Terre, parce que la Terre a été construite pour qu'elle fût habitée. 자, 땅 속으로도 한번 들어가 보죠. Regardons aussi dans les entrailles de la Terre. 욥기 28장 5절입니다. Dans Job chapitre 28 verset 5. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. 자, 지하는 불로 뒤집는 것 같죠? Que l'intérieur de la terre c'est comme une entraille de feu.
자, 돌면서 예, 불이 돌면서 올라가고 있는 거예요. En fait, c'est le feu qui tourne et qui monte. 예, 이렇게 생겼습니다. Ça ressemble à ça à l'intérieur de la Terre. 자, 지구 내부 구조예요. C'est à l'intérieur de la Terre. 내핵, 외핵, 멘틀, 예, 지표면. On voit justement le noyau liquide, et ensuite le manteau et la surface. 그런데 예. 놀라운 게 이게 내핵과 외핵은 철이거든요. Ce qui est impressionnant en fait, c'est que les deux noyaux en fait sont des métaux. 자, 그런데 내핵은 고체예요. Pardon, c'est le noyau liquide qui est en fer et le noyau le noyau le principal c'est du solide. 자, 그런데 외핵은 같은 철인데 액체예요. Mais le noyau extérieur justement est aussi du métaux mais en liquide. 예, 하나님이 견고하게 만드셨습니다. C'est Dieu qui l'a formé, qui l'a affermi. 뿐만 아니라 내핵은 회전을 해요. Et en plus le noyau en fait solide il tourne. 자, 내핵이 회전하는 것 때문에 외핵도 멘틀도 다 움직입니다. À cause du noyau qui tourne justement, que ce soit le noyau extérieur ou le manteau etc. tout tourne. 자, 내핵이 돌아야 지구에 자기장이 생겨요. C'est parce que il faut que la terre il faut que pardon le noyau tourne pour créer le champ magnétique. 자, 내핵이 도는 거 멈춰버리면 사람 못 삽니다. Si le noyau s'arrête de tourner, dans ce cas, l'homme ne pourra plus vivre sur cette terre. 예, 그래서 예, 하나의 거대한 그 자석으로 만들어주죠. Et ça a été créé justement comme un aimant. 예, 자기장은 지구의 생명방패다. Le champ magnétique, c'est comme un bouclier vital de la Terre. 자, 우주에서 오는 해로운 그 방사선을 막아줍니다. En fait, ce champ magnétique justement contre tous ces mauvais rayons qui viennent de l'univers. 자, 이 태양풍을 막아줘요. Par exemple, il contre justement le vent du soleil. 자, 하나님은 예, 천지를 창조하셨는데 사람으로 거하게 만드신 분입니다. Dieu a créé les cieux et la terre, mais il les a créés pour que l'homme puisse être habité sur cette terre. 창조주 하나님은 사랑이셔요. Et Dieu le créateur est un amour. 예, 목적은 사람으로 거하도록 지으신 겁니다. Parce que le but de sa création c'est pour que l'homme puisse être habité. 하나님은 사람을 사랑하셔요. Dieu aime les hommes. 동물들은요, 하루에 몽땅 만드셨거든요. Il faut savoir que les animaux en fait, il les a créés en un seul jour. 그런데 사람은 하나씩 하나씩 만드셨어요. Mais Dieu a créé l'homme petit à petit. 예. 하나님 보시기에 나라는 사람은 정말 존귀한 존재입니다. Parce que moi un être humain justement devant Dieu, je suis un être vraiment très précieux. 예, 사람 또한 하나님이 만드셨어요. Parce que l'homme aussi c'est Dieu qui l'a créé. 내 영혼은 하나님으로부터 왔습니다. Et mon âme et l'esprit vient de Dieu. 그렇기 때문에 나를 귀하게 여기시는 거예요. C'est pour ça que je suis cher à ses yeux. 내가 어디에서 왔는지 알아야 이 땅에서 어떻게 살아가는지 그게 결정이 되는 거예요. C'est parce que il faut savoir en fait d'où est-ce que je viens justement pour savoir aussi comment je dois vivre sur cette terre. 예, 나는 하나님의 형상대로 창조되었습니다. Il faut savoir que j'ai été créé à l'image de Dieu. 예, 여기 잠깐 보시죠. Regardez ici. Dans 창세기 2장 7절입니다. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. 예, 하나님께서 흙으로 사람을 만드셨어요. Donc Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. 그래서 사람은 죽으면 다시 흙으로 돌아가는 겁니다. C'est pour ça l'homme quand il meurt bah il retourne à la poussière. 여러분 이 살아있는 살과 흙의 구성 성분이 같다라는 거 아셔요? Est-ce que vous savez que la chair de l'homme et les compositions de la terre justement sont identiques? 과학자들 다 밝혀냈습니다. Ça a été prouvé scientifiquement. 하나님께서 이 육체도요 그냥 안 만드셨어요. Et cette chair aussi, Dieu ne l'a pas créée comme ça. 나를 지으심이 신묘막측하심이라. Et il est écrit dans Somme, par exemple, dans Somme que je suis une créature si merveilleuse. 인체는 정말 놀랍습니다. Ce corps aussi est vraiment incroyable. 심장 보시죠. Regardez le cœur.
심장은 주먹만한 크기입니다. Le cœur fait la taille d'un poing. 자, 그런데 이 주먹만한 예, 이 심장으로 온 몸의 피를 다 돌려요. Mais c'est ce cœur qui fait la taille d'un poing seulement, mais il fait tourner, il fait circuler le sang dans tout le corps. 예, 더 놀라운 것은 이 혈관의 길이가 지구를 두 바퀴 반을 도는 길입니다. Ce qui est encore plus incroyable, c'est la taille justement de tous ces veines dans le corps. En fait, si on défait justement tous ces vaisseaux sanguins, il fait deux fois le tour du monde. 놀랍지 않으세요? N'est-ce pas incroyable? 여러분 이 심장 근처에서 혈관이 꼬이면 심장마비로 죽어요. Par exemple, si ces vaisseaux sanguins en fait sont si on a un problème justement dans ces vaisseaux sanguins autour du cœur, bah on va mourir d'arrêt cardiaque. 예, 뇌에서 혈관이 꼬이면 예, 뇌경색으로 죽죠. Et par exemple, si on a des problèmes de circulation au niveau du cerveau, on peut mourir d'AVC. 이 긴 혈관의 길이를 나같이 작은 몸에다가 꼬이지 않게 다 집어 넣으셨어요. Alors tous ces vaisseaux sanguins qui sont si en fait longs et si immenses, ils se retrouvent dans mon corps. 그리고 이 주먹만한 심장은요 평생 쉬지 않습니다. Et ce cœur ne s'arrête jamais. 내 뜻대로 움직이는 것도 아니에요. En plus, il ne bouge pas comme moi je veux. 심장은 자동으로 뛰는 겁니다. Ce cœur, il bouge lui tout seul. 심장 멈춰야지. Ce n'est pas parce que je me dis cœur, arrête-toi. Qui s'arrête. 안 돼요. C'est impossible. 예, 생명이 내게 아니라는 뜻입니다. Parce que ma vie en fait m'appartient pas à moi. 놀랍지 않으세요? N'est-ce pas incroyable? 자, 그리고 이거 보세요. Regardez ceci. 자, 사람이 만든 로봇 손입니다. Ça c'est la main d'un robot que les hommes ont créé. 자, 사람들은 이건 보고 신기하다 그래요. Ils disent mais en voyant ça, mais ah c'est incroyable. 로봇 강아지 보고도 신기하다 그래요. Ils sont aussi étonnés en voyant par exemple les chiens robots. 자, 이거 한번 봐 보세요. Regardez ça. 예, 영상만 보시기 바랍니다. Regardez juste le 사람의 손동작과 가장 가까운 움직임을 보이는 것은 나사에서 개발된 로보넛이다. 로보넛의 손은 기계에게는 불가능하리라 여겨졌던 섬세한 동작까지도 해낼 수 있다. 오므리고 접고 펼 수 있는 세 손가락은 물체를 다루는 데 사용되며 나머지 손가락은 물건을 붙잡는 데 활용된다. 예, 하나님께서 사람의 손을 정말 정교하게 만드셨습니다. Il a vraiment affirmé justement quand il a créé les mains des hommes. 예, 자, 여기 봐 보셔요. Regardez là. 사람들이 이거 보고는 놀라요, 안 놀라요? Est-ce que les gens en fait en voyant ça est-ce qu'ils sont étonnés ou non? 그런데 로봇 손 보고는 놀라죠. Mais lorsqu'ils regardent les mains des robots, ils sont étonnés. 로봇 손이요, 이게 그 전원 안 넣어주면 못 움직여요. Mais il faut savoir que les mains d'un robot, par exemple, si on lui fournit pas de l'énergie, il peut pas bouger. 네, 기름 안 쳐주면요, 이거 오작동합니다. Et si on le graisse pas assez, bah, il va au bout d'un moment, il aura des problèmes. 그런데 이 사람 손은요. Mais les mains des hommes. 무슨 사고 나서 이게 예, 어디 뭐 이렇게 없어질 때까지. 이거는 내 뜻대로 움직일 수 있잖아요. À part si on a un accident et on a un souci jusqu'à la mort, en fait, on peut le bouger comme on veut. 자, 또 자세히 한번 봐보십시오. Et regardez aussi attentivement. 자, 한번 봐보셔요. Regardez bien. 자, 자기 손을 오늘 처음 보시는 분도 아마 계실 것 같아요. Peut-être certains ont regardé leurs mains pour la première fois. 자, 자세히 보니까 안감과 겉감이 달라요. En fait, si on regarde attentivement, la surface de l'extérieur et aussi de l'intérieur sont différents. 이렇게 해보시면요, 여기 그 미끈미끈한 정도가 달라요. Si vous le touchez comme ça, la main extérieure et l'intérieur, vous verrez que la peau est différente. 하나님 왜 지문을 여기에다가 두신 줄 아세요? Et vous savez pourquoi Dieu a placé les empreintes ici? 책을 이렇게 넘기라고. C'est pour pouvoir passer les pages. 자, 만약에 지문을 손 등에다가 놔뒀으면 어떻게 될까요? Imaginez si il les a placé les empreintes à l'extérieur. 이렇게 해야 되잖아요. Dans ce cas, il faut faire comme ça. 바보 같잖아요. On a l'air un peu bête. 자, 그리고 이 지문이 사람마다 다 다릅니다. Il faut savoir aussi les empreintes sont tous différentes chacun. 하나님 다 다르게 만드셨어요. Dieu a fait en sorte que les empreintes soient différentes de chacun. 자, 그리고 손을 이렇게 한번 봐 보셔요. Et regardez comme ça de votre main. 자세히 보니까 이 손 안쪽하고 손 바깥쪽이 이렇게 연결돼 있죠. 손 안쪽과 손 바깥쪽이 연결돼 있어요.
En fait, on voit justement, si vous regardez comme ça, le lien de la main extérieure et de l'intérieur qui se relient. 우리 프랑스는 패션으로 유명하죠. Par exemple, la France est connue pour la mode. 어느 솜씨 좋은 패션 전문가가 요거를 예, 바느질을 이렇게 잘 해놨을까요? Regardez si quel créateur de mode le plus connu qui aurait justement aussi bien cousu justement que ça. 예, 우리 두 가지만 말씀을 드렸지만. 우리 신체는요 필요 없이 창조된 게 하나도 없어요. Je vous ai parlé que deux choses de notre corps, mais dans le corps, en fait, toutes choses en fait ont été créées pour une raison. 여러분 사람도 모래 주머니가 있습니다. Vous savez aussi, l'homme a une poche de comment on dit ça, de poche de sable. 이 맹장인데요. En fait, c'est l'appendicite. 이 맹장이 이거 떼버려도 사람 사는데 지장 없어요. L'appendice. En fait, c'est l'appendice. Et en fait, même si on le retire de l'homme, ben, en fait, l'homme il pourra toujours très bien y vivre. 자, 그래서 어떤 사람은요, 에이, 진화가 덜 됐다 이렇게 이야기도 한데. Et certains disent que, ben, en fait, l'homme n'a pas encore bien évolué. 꼭 사람을 짐승하고 같이 갖다 붙여야 되겠습니까? Mais est-ce qu'on doit rapprocher l'homme avec les animaux? 여러분, 근데 이 맹장 없으면요. 우주인이 될 수가 없어요. Est-ce que vous savez que si vous avez un problème de appendice, si vous n'avez plus l'appendice justement, vous pouvez pas aller dans l'espace? 필요 없이 만든 장기 하나도 없습니다. Il n'y a aucune chose de notre corps qui a été créé inutilement. 손톱 계속 기니까 불편하시잖아요. Les ongles en fait continuent de pousser, du coup c'est assez gênant parfois. 손톱 다 빼버리면 어떻게 될까요? Mais si on enlève les ongles, qu'est-ce qui va se passer? 잡을 수가 없어요. On peut pas attraper les choses. 새끼 발가락 아무것도 아닌 것 같죠? Le petit doigt du pied, en fait, on dirait qu'il sert à rien. 만약 사고 나서 새끼 발가락 하나 없어지면요, 똑바로 못 걷습니다. Vous savez que si vous avez un accident et vous avez plus le petit doigt du pied, en fait, vous verrez que vous ne pourrez plus marcher droitement. 나를 지으심이 신묘막측하심이라. Que je suis une créature merveilleuse. 자, 그리고 여기 봐보십시오. Et regardez ici aussi. 그리고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되었다. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 예, 살아있는 기 이게 영혼을 말하는 겁니다. Un souffle de vie ici signifie justement l'âme et l'esprit. 자, 내 영혼을 주신 분이 하나님이셔요. C'est Dieu qui m'a donné mon âme et l'esprit. 예. 자, 그래서요. 과연 사람은 영적인 존재인가? Est-ce que l'homme est du coup est un être spirituel? 성경은 사람이 영과 혼과 몸으로 되어 있다라고 말씀하십니다. La Bible nous dit que l'homme est composé d'esprit, l'âme et le corps. 데살로니가전서 5장 23절입니다. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 예, 사람은 영과 혼과 몸으로 구성돼 있어요. Donc, l'homme est composé d'esprit, de l'âme et du corps. 예, 사람의 몸은요 식욕, 명예욕, 성욕이 있습니다. Donc, le corps de l'homme justement possède l'appétit, libido et aussi l'ambition. 자, 그리고 사람의 혼은요. 사랑과 지식과 사상을 예, 나타내요. Et l'âme possède justement l'amour, la connaissance, la pensée, l'intelligence, l'émotion, la volonté, etc. 근데 여기까지는 동물들도 다 가지고 있어요. Mais ce qu'il faut savoir, les animaux aussi possèdent jusqu'à là. 네, 사람들, 아니, 그 동물들도요, 서로 짝짓기 합니다. Les animaux aussi se mettent en couple. 예, 좋아하고 싫어하고가 있어요. Ils aiment ce qu'ils aiment, ils n'aiment pas ce qu'ils n'aiment pas. 또 반복 학습하면 지식도 있습니다. Et s'ils continuent, s'ils se répètent, bah, ils peuvent aussi apprendre de leur répétition. 원숭이도 잘 가르치면 수상스키 타요. Vous savez que même les singes, en fait, si on les éduque bien, ils peuvent même faire du ski nautique. 자, 그런데 동물에는 없는 거, 사람에만 있는 게 영입니다. Mais quelque chose que les animaux n'ont pas, mais que l'homme possède, c'est l'esprit. 자, 영의 작용은 하나님을 찾아요. L'effet de l'esprit, justement, c'est qu'il cherche Dieu. 예, 세상에 옷 안 입은 종족은 예전에 있었죠. 그런데 종교 없는 그런 부족은 없어요.
Il y a eu jusqu'à présent justement des tribus dans l'histoire de l'homme. En fait, il y a des tribus en fait qui ne s'habillent point, mais donc qui restent nus. Mais il n'y a aucun tribu dans l'histoire de l'humanité qui ne possédait pas de religion. 사람이라면 신을 찾게 돼 있습니다. En tant qu'homme, on est obligé de chercher un Dieu. 자, 그리고 또 양심이 있어요. Il y a aussi la conscience. 이 양심은 하나님이 주신 겁니다. Cette conscience a été donnée par Dieu. 자, 내 것이 아니에요. Ce n'est pas à moi. 내가 통제할 수 있는 게 아닙니다. Ce n'est pas quelque chose que moi je peux contrôler. 이 죄를 지으면요, 양심이요, 쿵쾅쿵쾅쿵쾅합니다. Lorsque je commets des péchés, c'est ma conscience qui tremble à l'intérieur. 알려주는 거죠? Qui m'indique, qui me dit. 그거 죄야. Ah, c'est un péché. 가만 있어봐. 나 좀 나쁜 짓 좀 해야 되겠어. Et on se dit, mais attends, reste calme. Moi, je dois faire cette bêtise. 양심 말 안 들어요. Mais la conscience ne m'écoute pas. 하나님으로부터 온 겁니다. Parce que c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. 자, 그리고 사람은 영혼을 사모하는 마음이 있어요. Et aussi l'homme cherche l'éternité. 왜요? 100년도 못 사는 사람인데. Alors que l'homme ne peut même pas vivre parfois jusqu'à 100 ans. 사랑을 해도 영원한 사랑이 좋잖아요. Et même quand on parle d'amour, on aime bien quand c'est un amour éternel. 이 땅 살기가 정말 힘든데 죽고 싶은 사람 아무도 없어요. Alors que c'est vraiment la peine de souffrance de vivre sur cette terre, mais il n'y en a aucun qui veut mourir. 누구나 영원히 살고 싶어 합니다. Quiconque vous leur posez la question, ils diront qu'ils veulent vivre éternellement. 예, 이 땅에서의 삶이 100년이라면 죽은 다음에는 영원히 사는 거예요. Si notre vie est de 100 ans sur cette terre, après la mort, ça sera éternel. 예, 영원한 세상이 있습니다. Parce qu'il y a un monde éternel. 이 땅의 삶은 유한적이에요. Il faut savoir que la vie sur cette terre, c'est limité. 천국과 지옥은 영원한 세상입니다. Mais le royaume des cieux et le royaume, enfin l'enfer, c'est un monde éternel. 사람의 육체를 한번 봐보십시오. Regardez le corps de l'homme. 뇌, 신기하죠? Le cerveau, c'est assez surprenant. 사람의 신경계, 신기합니다. Le système nerveux de l'homme, c'est aussi assez surprenant. 사람의 육체가 굉장히 정교하게 잘 만들어졌어요. Et on peut voir que le corps de l'homme est vraiment bien créé et bien affermi. 자, 그러면 인간의 가치가 뭐냐라는 거예요. Dans ce cas, quelle est la valeur de l'homme? 이 몸이 정말 우리 그 인간의 그 전부일까요? Est-ce que vraiment ce corps est tout ce qu'on possède? 그렇게 생각하는 사람들이 많으니까 이 땅에서 아등바등 그렇게 살아가는 겁니다. Beaucoup pensent ainsi. C'est pour cette raison que beaucoup en fait vivent essaient de bien vivre sur cette terre. 사람은 영혼이 있어요. Mais il faut savoir l'homme a l'esprit. 영원히 사는 영혼이 있는 겁니다. Il y a aussi justement la vie éternelle qui. 욥기 19장 26절에 이렇게 말씀하셨어요. Dans Job chapitre 19 verset 26, il est écrit: Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. 예. 내가 죽고 나면 내 육체 밖에서 하나님을 본다라는 거예요. Quand je mourrai, je verrai Dieu hors de mon corps. 내 육체는 죽었지만 나는 아직 안 죽었습니다. Moi, mon corps est mort, mais moi, je ne suis pas encore mort. 예. 육체가 죽으면 이렇게 분리가 되죠. Quand le corps est mort, justement, c'est comme ça, ça se divise. 자, 여기 레이먼드 박사라고 있는데요. On voit ici un professeur Raymond. 예, 이분이 150명의 죽었다 살아난 사람들과 인터뷰를 했어요. Il a interviewé plus de 150 personnes qui ont fait l'expérience de la mort. 그리고 그들의 말한 증거한 것의 공통점들을 모은 책입니다. Et ce livre en fait c'est un livre où il rassemble tous les points communs de ce qu'ils disent, ces personnes qui ont fait l'expérience de la mort. 1300만 부가 팔렸어요. Il a vendu plus de 13 millions de livres. 자, 이 모리스 롤링스 박사가 쓴 사후의 세계란 책도 있습니다. Il y a aussi le livre qui s'appelle Le monde après la mort de professeur Rawlings. 자, 이분은 심장 전문이에요. En fait, lui, c'est un cardiologue. 이분이에요? C'est lui. 자, 이분이 그 심장병으로 심장 그 관련해 가지고 사망한 사람 60명과 인터뷰를 했습니다. Lui aussi, il a interviewé plus de 60 personnes qui sont morts après, qui ont fait l'expérience de la mort après l'arrêt cardiaque. 그리고 죽고 난 다음에 그들이 경험했던 내용을 듣고요. 아, 죽음이
끝이 아니다. Mais en écoutant justement le témoignage justement de ces personnes, il a découvert vraiment que la mort n'est pas la fin. 자, 모리스 롤링스 박사는요, 지옥 갔다 돌아온 이야기 해가지고 책을 냈어요. En fait, il a écrit justement ce livre qui s'appelle Retour de l'enfer. 네, 죽음의 터널 뒤엔 신과 빛의 세계가 있다. Que après le tunnel de la mort, un monde de lumière et de divin qui existe. 하나같이 이야기합니다. Tous disent la même chose. 우리는 죽었다. Que on était mort. 분명 죽었다. On était vraiment mort. 근데 나는 살아 있더라. Mais j'étais vivant. 죽음 뒤에 또 다른 세계 있습니다. Qu'il y a un monde après la mort. 있어요. Il existe. 경험해 본 사람들이 이야기하는 겁니다. Ce sont ceux qui l'ont fait l'expérience qui disent. 한국에만 수백만 명이에요. Et rien qu'en Corée, c'est des millions de personnes. 미국에는 1,500만 명 정도가 사후의 경험을 가지고 있습니다. Et aux États-Unis, c'est plus de 15 millions de personnes qui ont fait l'expérience de la mort. 예, 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 그렇죠? Comme le corps sans âme est mort. 예, 영혼이 빠져 나가면 내 몸 죽는 거예요. Si l'âme quitte mon corps, bah dans ce cas, mon corps, enfin, ce corps, il est mort. 흙은 여전히 땅으로 돌아가고. Avant, la poussière retourne à la terre. 여기서 흙은요, 예, 내 육체를 말합니다. La poussière ici signifie la chair. 자, 신은 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. 예, 여기서 신은요, 내 영혼을 말하는 겁니다. Ici l'esprit. 하나님께로부터 내 영혼이 왔다가 다시 하나님께로 돌아가요. Mon esprit, mon âme et l'esprit vient de Dieu et il retourne à Dieu. 그 전에 하나님을 기억하라는 겁니다. Mais avant de retourner à Dieu, il faut se souvenir de Dieu. 자, 왜 그렇게 해야 됩니까? Et pourquoi? 사람은 반드시 하나님을 만나야 되기 때문에 그래요. C'est parce que l'homme doit absolument rencontrer Dieu. 하나님 앞에 우리는 반드시 서야 됩니다. Parce que nous nous retrouverons forcément devant Dieu. 그런데 사람들은 아담 때부터 실패했어요. Mais les hommes justement depuis Adam, ils ont tous échoué. 하나님 말씀에 순종하지 못하고 죄를 범했습니다. Ils n'ont pas pu obéir à la parole de Dieu et ils ont commis des péchés. 에덴 동산에서 실패했죠? Ils ont échoué par exemple au jardin d'Éden. 노아 시대 때 사람들도 하나님을 찾아가는 데 실패했어요. Et aussi à l'époque de Noé, les hommes ont échoué à aller vers Dieu. 사람은 본성이 악하기 때문에 하나님 말씀에 순종하는 것보다 죄 짓는 걸 더 좋아합니다. L'origine justement de l'homme est méchant justement, c'est pour ça ils préfèrent commettre des péchés que de se rapprocher de Dieu. 그런데 여전히 하나님은 사람을 사랑하시거든요. Mais Dieu continue à aimer les hommes. 그래서 하나님께서 이제 사람들을 건지실 구원 계획을 따로 세우십니다. Et c'est pour cette raison que Dieu planifie justement le salut de l'homme. 그게 믿음의 조상 아브라함을 선택하셔요. C'est justement le choix de Abraham qui est l'ancêtre de la foi. 아브라함을 통해서 이스라엘이라는 민족을 선택하십니다. C'est à travers Abraham justement qu'il choisit un peuple, c'est le peuple d'Israël. 자, 여기 화면 잠깐 보시죠. Regardez l'écran. 자, 하나님께서 이스라엘을 선택하셨어요. Il a choisi l'Israël. 자, 왜 선택하셨느냐? Et pourquoi il a choisi? 자, 너희가 큰 민족인 아니라 여기 신명기 7장 6절에는요. 하나님께서 자기 기업의 백성으로 이스라엘을 선택하셨다 말씀하시죠? Ici dans Deutéronome chapitre 7 verset 6, on voit que Dieu a choisi le peuple d'Israël pour son peuple. 근데 선택하신 이유는 이스라엘이 작은 민족이기 때문에 부르셨다라는 거예요. Mais la raison pour laquelle il a choisi le peuple d'Israël, c'est parce que c'est un peuple moindre de tous. 자, 이스라엘입니다. Regardez, c'est Israël. 자, 선택한 이유는 하나님을 증거하시기 위해서예요. La raison de ce choix, c'est pour qu'il témoigne de Dieu. 자, 여기 프랑스가 있고 이 밑에 이스라엘이 있어요. Il y a la France ici et ici l'Israël. 정말 작은 나라입니다. C'est un petit pays. 예. 이스라엘, 한국 있고 미국 있고 프랑스, 이스라엘 있죠. Il y a la Corée du Sud, l'Israël, la France et les États-Unis. 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi.
증인으로 택하신 거예요. Ils ont choisi comme témoin. 자, 증인을 중앙에 두십니다. C'est les témoins qui les a placés justement au centre. 가운데서 증거하도록 하셨어요. Pour qu'il le témoigne de lui au centre. 여기 에스겔서에 세상 중앙에 거하는 백성이다. Et dans Ézéchiel, il est écrit il y a un peuple qui recueille du milieu des nations. 말씀처럼 이스라엘은 세상 중앙에 있어요. Et comme la parole il dit justement, ils se retrouvent vraiment au centre du monde. 바로 옆에 있는 바다 이름이 지중해입니다. Et la mer qui se trouve à côté, c'est la Méditerranée. 예. 여기는 워싱턴 D.C.에 있는 전쟁 기념관이에요. Ici c'est le musée, le mémorial de la guerre qui se retrouve à Washington. 자, 이스라엘 전쟁 기념, 이스라엘의 그 대학살을 잊지 말자라고, 예, 그래서 이 박물관을 만들었습니다. En fait, ils ont créé ce musée pour ne pas oublier justement le génocide des Juifs. 2차 세계대전 때 정말 많은 이스라엘 사람들이 죽었어요. Et parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, justement, il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été tués. 자, 그들의 유품들입니다. On voit ces objets. 이 박물관을 다 관람하고 나올 때 벽을 보면 이런 글귀가 있어요. Et quand vous avez fini de faire le tour du musée, quand vous sortez du musée, en fait, vous avez cette écriture. Israël, 너희는 나의 증인이다. Que Israël, vous êtes mes témoins. 예. 이스라엘은 하나님의 증인이에요. Qui sont les témoins de Dieu? 예, 증거 방법은 이적입니다. Et la méthode justement de témoins, c'est les preuves. 근데 왜 이스라엘 선택하셨느냐? Pardon, les prodiges. Et pourquoi il a choisi l'Israël? 예, 모든 민족 중에 가장 작기 때문이에요. C'est parce que vous êtes le moindre de tous les peuples. 그래서 아브라함을 부르셨습니다. C'est pour cette raison qu'il a appelé Abraham. 이스라엘 민족이 이제 아브라함부터 시작이 되는 거예요. Et c'est à partir d'Abraham que justement le peuple d'Israël commence. 자, 부르실 때 약속을 주십니다. Et c'est de là justement quand il appelle Abraham, il donne une promesse. 첫 번째 땅을 약속으로 주십니다. Premièrement le pays. 그리고 두 번째는 민족을 이루게 하겠다. Et deuxième nation. 복을 주겠다. Et qu'il allait le bénir. 그리고 너는 복의 근원이 될 거다. Et qu'il sera une source de bénédiction. 여러분 이 복의 근원은요 예수 그리스도를 주시겠다라는 뜻이에요. Et la source de bénédiction, cela signifie qu'il donnera Jésus-Christ. 자, 사람 편에서는 하나님께 나오는 걸 다 실패했습니다. De côté de l'homme, ils ont tous échoué à aller vers Dieu. 사람 능력으로는 하나님을 찾아올 수가 없어요. Parce que par la force de l'homme, on peut pas aller chercher Dieu. 자, 그래서 하나님께서 직접 구원 계획을 세우신 겁니다. C'est pour cette raison que Dieu a planifié lui-même le plan de salut de l'homme. 사람이 못 오니까 하나님이 직접 오신 거예요. Comme l'homme ne peut pas venir vers Dieu, c'est Dieu qui va aller vers l'homme. 왜요? Pourquoi? 우리를 사랑하시니까. Parce qu'il nous aime. 내 영혼을 그렇게 사랑하시는 분이 하나님이십니다. C'est Dieu qui nous aime, nous, notre âme et l'esprit. 예. 그리고 내 인생에 나타나신 이유는요, 나를 사랑하시고 구원의 길로 인도하시기 위함이에요. La raison pour laquelle il est apparu dans ma vie, c'est pour me sauver, et parce qu'il m'aime aussi. 여러분, 우리 하나님을 바라봐야 됩니다. Donc il faut regarder Dieu. 등 돌리면 안 돼요. Il ne faut pas lui retourner le dos. 자, 이제 이스라엘 민족의 그 역사에 대해서. 내일 이 시간에 또 다시 배우도록 하겠습니다. Et concernant l'histoire d'Israël, on va continuer à apprendre demain. 여러분, 우리 시대에 있을 일을 성경이 미리 예언했어요. Et vous allez voir que la Bible a prophétisé des choses qui s'est passé vraiment dans notre époque. 말씀하신 그대로 이루십니다. Et il a réalisé comme il a écrit. 우리 시대 증거를 통해서 지금도 살아 역사하시는 전능하신 하나님을 생각해 보겠습니다. Et c'est à travers ces preuves de notre époque, justement, qu'on va voir la vraie puissance de Dieu. 예, 기도하고 마치겠습니다. On va terminer par la prière. 하나님 감사합니다. Merci Dieu. 온 천지 만물을 창조하시고 사람을 창조하심을 감사드립니다. Merci d'avoir créé toutes ces choses et aussi d'avoir créé l'homme. 영원한 세상에 올 수 있도록 하나님께서 구원 계획을 시작하심도 감사드립니다. Et aussi merci d'avoir planifié justement ce salut de l'homme pour qu'on puisse aller avoir justement cette vie éternelle. 이번 성경 강연에 참여하고 계시는 모든 분들이 하나님의 사랑을 다 깨닫도록 도와주시옵소서. Et aide-nous pour que tous ceux qui participent justement à ce séminaire biblique puissent comprendre ton amour.
한 사람도 하나님의 사랑을 거절하여 심판받지 않도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Accorde-nous la grâce pour que aucun de nous refuse justement ton amour. 우리 마음을 여시고 말씀을 더욱 깨닫도록 도와주시길 부탁드립니다. Et nous te demandons de nous ouvrir le cœur et aussi de nous aider à bien comprendre ta parole. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.